Salut tout le monde. Je voulais prendre quelques instants pour vous expliquer que dans les 30 premières minutes du podcast, on a eu un petit problème au niveau du son. On s'est demandé si on allait tout reprendre, puis on a décidé de garder ça original. On trouvait que c'était vraiment drôle avec Danny. En plus, on avait des bonnes séquences. On voulait pas faire semblant de les reprendre non plus. On voulait vraiment vous laisser ça tel que c'était. Donc, merci de votre indulgence. Ça va être un petit peu plus difficile pour l'écoute. 30 minutes, mais après ça, le son revient comme d'habitude. Donc, là-dessus, bonne écoute, bon podcast. Merci de nous suivre. Oh, grosse lisse. Grosse lisse? T'es habitué de voir mes feuilles, Dan. Hey, la gang, épisode 3. Yes, sir. Je suis vraiment content de reviendre ici. De reviendre. C'est, moi, ça me fait capoter. Puis en plus, ben là, on a la chance d'avoir Danny avec nous autres. Ben oui, ça fait longtemps qu'on l'avait vu, en plus. Oui, bien content, ben content d'être là. Ben mais oui. C'est moi qui ai la chance d'être là. Comme c'est la chance de me voir. Same thing, same thing. Ça, je pensais que c'était chinois, ça. C'est juste pour faire ça rapidement, merci en passant à tout le monde qui suit le podcast. C'est vraiment cool. La réponse est vraiment hot. Le monde tripe. Moi, je trouvais ça vraiment cool. Puis, je voudrais savoir, pour ceux qui ne le savent pas, là, on est au troisième épisode. On va couvrir la saison 1, épisode 7 à 10. Fait que là, on va revenir dans des souvenirs peut-être qui sont loin, mais on va raviver... Ils sont encore gravés. Ouais, j'imagine, hein? Oui, oui. Parce que c'est passé de quoi de vraiment? C'est passé des affaires de fun, mais on va aussi probablement savoir des affaires qu'on n'a pas vues à caméra, parce que c'est le but de la chose. Ben, ça en est passé pas mal, les affaires qu'on n'a pas vues à caméra dans ce voyage-là. Des histoires, il y en a plusieurs. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que l'épisode 7 couvrait le road trip aux États-Unis. Ça partait au bord rayé en Arkansas. Puis, ouais, non, mais. T'es comme des. Ça, c'est cool parce que moi, quand j'écoutais le show, je vois ce que tout le monde voit, mais là, on va aller chercher ce que. On va aller chercher le premier. Un peu, oui. Et là, j'aimerais ça savoir pas mal des choses. Danny, ça vient de où? Je sais que tu viens probablement de tes parents, mais à la base, votre connaissance, ça vient de où? C'est moi, en fait, en 2006-2007, qui ai travaillé à une brasserie de bière où Danny travaille, pour pas la nommer. c'est pas la voix maltée, malheureusement. Je suis obligé de le faire, mais merci la voix maltée. On a encore de la bonne bière pour le show. Effectivement. On peut-tu l'ouvrir même s'il est 10h le matin? Oui, mais la mienne est déjà ouverte. Attention, les sound effects. Attention, les sound effects. Ouvrez-la, c'est le temps, les sound effects. Donc, moi et Danny, on a travaillé ensemble. J'étais marchandiseur, lui est représentant. Okay. J'ai travaillé avec lui à peu près un an et demi, si je me rappelle bien. Ah, mais je te mets dehors. Hein. On va avoir du fun avec Danny. Non, mais c'est ça, on a passé une très belle année et demie ensemble. Puis après ça, on s'était perdu de vue un petit peu. Puis à plusieurs reprises, on se voyait, on prenait un petit bière. À la mort, vous êtes retrouvés. Au Colombo. Et un moment donné, il m'avait invité à son chalet. À la marche, j'avais dépassé une petite heure. Il manquait clair. La marche, c'était vraiment pas clair. Puis là, c'était à cet endroit-là que j'y avais offert justement le trip de Nouvelle-Orléans. De tu m'avais dit, j'ai de quoi te demander, mais je te rappelle. Tu m'avais rappelé, je pense que c'est le lendemain. Tu ah ouais, je t'avais teasé le même. Il m'a juste appelé, hey, salut, j'ai de quoi te demander, Mike. Quand il était chez nous. Fait que là, quand tu m'as dit ça, ça a pas pris 30 secondes. Là, c'était oui. Fait que ça fait longtemps que vous vous connaissez, c'était avant ça. Ça puis... fait une bonne douzaine d'années, là, 13. Je mets ça, je dirais 15. Mais tu sais, Danny, tu travailles avec le public, au-delà de ça, c'est le contact que ça fait très facilement, tu sais, vous l'avez vu, on arrive tout de suite, tu sais, c'est vraiment le fun, la dynamique, autant, tu sais, oui, ils se sont connus dans un contexte professionnel, mais je pense que tout de suite, l'amitié a pris le dessus, là, même s'est développé une histoire d'amour, mais... mais on le voit tout de suite, le genre de bon gars que c'est, la première chose qu'il a faite quand il est arrivé, c'est « Jeff, t'es assis à ma place, faudrait que tu te passes, tu vois que le gars, il est à l'aise, moi, j'aime ça le même. » Mais on avait beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Ben, c'est sûr, quand t'es dans la bière, tu peux pas être à jeun trop souvent. Ben, on commence assez tôt, là, le matin. Fait que, on était peut-être plus hangover. Il est juste hangover. Parce qu'en plus, on gérait les événements aussi le soir, les ouvertures de bar, les 5 à 7. C'était ça, c'était
agréable. Quand le gars, il cherche son mot pendant 10 secondes. Mais là, ça n'existe plus son cul. Rani finissait souvent en PDM, des fois en PDM. En faisant partir sur le comptoir. Tu fais-tu encore de l'événementiel? On aurait peut-être des jobs pour toi. On n'en fait plus d'événementiel. Ça commence fort, ça commence fort. Non, c'est solide. Fait que là, quand vous êtes parti, là, c'est quelque chose de huge, pareil. 7000 km en 2 semaines. 5 chums. Avec le camper à ta femme, ça? C'est là que t'avais acheté, que le camper, dans le fond, t'es revenu pis t'avais brisé des tiroirs, des poignées. Ah, ça a été rough sur le matériel. On était 5 dans le camper. Pis Nico était pas là. Non. Mais les tiroirs, tu retirais ça, là, tu restais avec les poignées quand pis on cherchait tout le temps un morceau de linge ou de quoi qu'on perdait. Danny perdait ses lunettes dans le tiroir à chips. Danny mettait n'importe quel chose. J'ai été trouvé coupable ce soir-là. T'as vraiment aidé des chips en cachette. T'as cherché mes lunettes. Ça faisait une journée, ils sont mis les lunettes à dans le tiroir de chips. C'est sûrement pour les chips au vinaigre. Puis j'ai vu des images où ce que tu comprenais pas, ton lit était tout le temps embourbé de plein de stock de marque. Tu le défaisais. Ça, c'est drôle. Tu t'en allais aux toilettes, tu revenais, le stock était tout revenu sur le lit. Ben, c'est quoi, à 5 dans un campeur, tu sais, le campeur, c'est quand même grand, c'est à 30 pieds, mais quand t'es 5 à habiter là-dedans, du stock, il y en a partout. Puis avec le stock vidéo en plus, le stock de pêche, on avait du linge pour plusieurs situations aussi, parce qu'on partait quand même du Québec, ça rentre jusqu'en Nouvelle-Orléans. La température est pas la même. On mettait tout ça sur le lit. Puis quand je me couchais le soir, ben, j'en déblayais la moitié, puis je me couchais. 35 divisé par 5, ça fait juste 6 pieds. Il dresse pas un gros campeur. C'est ça que j'aime avec Nico, il calcule tout le temps. Toi, tu mesures 6 pieds 2, fait que t'es sûr. Faut que j'en pierde, tu veux sûrement aller à la rue. C'est pour ça que t'es pas allé dans ce voyage-là. Et en passé, on pouvait même pas prendre son oreiller pour dormir. Non, il veut pas. Danny veut pas. Bon, ça, je comprends ça. Mais on était bien organisé, c'était le fun. Puis en plus, ben, c'est ça. C'est là que tu souhaites pas être avec quelqu'un qui pue, là, tu sais. mais au départ, là, vous aviez quand même un itinéraire, tu sais, quand même gravé, mais c'était pas comme blindé, là. C'était genre, c'était comme pas organisé. C'était pas coulé dans le béton. On s'en va là. Mais je pense que c'est le requin qui nous a fait faire une shot. Au départ, on a commencé normalement, on allait au requin, après ça, on se rendait en Nouvelle-Orléans, après ça, c'était l'Arkansas. On a comme fait tout le tour à l'inverse, puis on est revenu. Ben ça, on va revenir parce que vous avez vécu une popée tempête. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce voyage-là, c'est que vous avez eu la générosité d'offrir à un mendiant une bière. Un 4-pack. C'était une bière ou un 4-pack? Un 4-pack. Il y avait une pancarte qui disait juste « Moi, je bullshit pas. Can I have a beer? I need money for a beer. » Yeah. Tu as donné un 4-pack direct de voix maltée. Vous avez fait le bonheur de quelqu'un. Ben, il était content. C'est bon de dire que ça vaut quand même 20 cents la canette aussi. Fait que d'une bière deux coups, il a quasiment donné le gaz. Il peut-tu la consigner là-bas? Moi, je sais pas, là, mais il peut se faire plein d'appels avec ça. Ça peut bien. des pièges à curé pour manger le soir. Il était content. Nous autres, on avait notre réserve de voix maltée. Quand on l'a vu, c'était comme inévitable. C'est sûr qu'il faut le faire goûter. Là, vous avez commencé. Il en cherche encore. Vous l'avez aimé, mais il n'y en a plus. Vous avez commencé au bar rayé. J'ai remarqué une chose au bar rayé là-bas en Arkansas, c'est que les spots de pêche, tu as l'impression d'être au Québec. Il y a des spots de pêche là-bas qui ressemblent exactement ici, les îles. On n'a pas à sentir mal de certains spots de pêche au Québec, pour vrai, parce que avec les îles que vous avez vues, pour moi, ça avait l'air d'être la même chose que là-bas, des plages, vous pouvez faire des choses. C'est tellement beau, c'est tellement fun. On a eu la belle température, en plus. Moi, j'ai vraiment adoré la place, puis j'arrêtais pas de me promettre que j'allais y retourner pour faire découvrir ça à ma famille. J'ai pas eu l'opportunité, mais c'est certain qu'un jour, je vais y retourner juste pour naviguer puis se promener en bateau, là. C'est tellement une belle île avec des plages tout le tour, là. Toutes les îles ont des plages. C'est beau, tu sais. Puis quand on est arrivé, justement, la première journée, c'est comme il faisait 36. Ah, on a dû pêcher un heure, mais là, c'était pas zéro poisson. On s'est tout tiré à l'eau. Mais puis c'est ça aussi. Comment vous trouvez ça d'arriver dans un spot? Un nouveau lac, vous connaissez pas personne, vous avez pas eu de guide la première fois, ça a été rough, là. Vous êtes parti, puis vous avez payé comme si vous pêchiez dans un lit. Il y a plein d'images, là. La première affaire qui est arrivée au départ, c'est que tout le long qu'on s'est promené, on n'était jamais dans des campings. On couchait tout le temps dans une cour de Walmart, quelque chose comme ça, tu sais, vraiment tout croche, là. Pas d'argent, pas organisé, puis tu sais, on low budget. Puis cette fois-là, on s'en allait au lac Ouachita. Là, vous avez réservé un beau camping. Sur notre camping, on avait un quai qui était directement à l'arrière de notre terrain, puis mettre le bateau. Fait qu'on arrive, on installe, met le bateau à l'eau, plug la roulotte, on met le bateau directement en arrière. On était super contents, là, tout le setup était parfait. Là, j'ai le guide qui m'appelle, je dis on est installé sur le camping. Là, il me dit, ouais, c'est un camping, parfait. Non, c'est pas ce camping-là, tu sais, on est sur l'eau. Ouais, il dit,
T'es pas sur le bon watchtop, t'es en bas du barrage. Là, j'étais comme, merde, t'sais, le seul budget de trois jours de camping qu'on avait, c'était comme la mauvaise place, là, on a tout décampé, on a rembarqué le bateau sur le trailer, puis on est allé coucher dans le parking, où ce qu'on a. Dans le massif. Dans le massif, il y a un moyen de coucher dans on a juste pas de vidéo. Le voici! Là, c'est du monde qui me donne la bière. Le gars, il est venu. Je m'en dirais pas, je quête pour de la bière aussi. Non, c'est ça, mais là, on en manque jamais de bière. On en manque jamais avec la moralité là-dessus. Tu es allé chercher de 4 packs pour le gars sur le bord de la ligne. Pas mon Vincent, le gars. Mais t'es guide, t'es trouvé quand même. Beaucoup Internet, ouais, on cherche, je communique après. Souvent, j'essaie de faire des petites ententes. Le demander aussi s'ils sont ouverts à. On a vu ça dans l'autre épisode d'avant, que vous essayez de trouver des guides par Internet. Quand vous arrivez, il n'y a pas rien de réservé, il ne connaît pas la situation et il ne sait pas pourquoi vous êtes là. Ah, ça, c'était OBC. Oui, effectivement, mais notre guide, Wachita, on a vu ça un peu. Le stalactite n'était pas vraiment prévu. On se rendait à Nouvelle-Orléans. Puis après ça, je cherchais ça. Ouais. Un arrêt à faire. Ouais, je suis pendant que tu montais, tu checkais. Ouais, puis Alex, il l'a appelé. Puis le monsieur, en plus, là, si je me rappelle bien, il s'appelait John. John, il avait ouais. un accent. Très texan, c'était un peu à comprendre. I'm trying to get the Lord out of the place. Ah, je me rappelle Alex au téléphone avec, puis nous autres qui étaient à côté puis qui riaient parce que ça cheveux. Une chance que c'est pas toi qui parlais. Non. Même moi, je comprenais pas. Mais je tiens à dire, ouais, mais ça, c'est ça. Ouais, mais Dali, d'après moi, toi, une coupe de bière, puis le texan, une coupe de bière. Je parle en allemand aussi avec la bière. Ouais, he's here with the boy's friend. All the boy's friend. The boy's friend. Puis quand il t'a dit, je cite, je suis pas mal sûr si je mets un sous-titrage ou un. Il t'a dit à un moment donné, fishing was hard. Yes, it happens sometime with the fish. It's fishing, it's hard. On a vu tes talents de communicateur avec le Texas, c'était cool. Mais pour vrai, c'est ça. C'est que vous avez rencontré John, puis j'ai remarqué une chose qui se passe pas au Québec, c'est que vous avez pêché aux appâts vivants. Puis c'est quand même pas loin de. Tu sais, on traverse les lignes, puis vous pêchez là-bas aux appâts vivants. T'as pas besoin d'aller loin pour pêcher avec des appâts vivants. Ouais, mais c'est juste que depuis qu'on peut plus ici. Non, ici non. C'est, même l'hiver, c'est fatigant, ouais. Ça change énormément la pêche. Là, vous l'avez vécu, vous autres avec, vous avez fait de la pêche à la glace. De toute façon, on va en parler plus tard. Ça s'est mis à mort bac à bac à un moment donné parce que vous en avez perdu du poisson. Mais c'était dur la pêche parce que. Qu'est-ce qu'il faut expliquer, c'est que le lac Wachita, c'est un territoire inondé. Le fond de l'eau, c'est tout des arbres. Ouais, ça qu'il disait. Souvent, vous accrochez. Les arbres, les poissons se tiennent les arbres, on pêche juste au-dessus. Puis aussitôt qu'il sort de sa cachette pour venir manger le bain, il se retourne lever et aller. Faut pas que tu le laisses aller. C'est intense, quand tu donnes le coup, là. Puis, avec John, ne reste pas crocheté. Non, mais c'est spécial, John. Il nous mettait en punition, c'était pas là. Il sert avec la pêche de ça. En punition, c'est parce qu'à un moment donné, on pêche tout. C'est parce que là, Dali pêche, il reçoit un poisson, il pogne un poisson. Là, le poisson, il part, il va se reprendre dans les arbres. Puis, en plus, le guide, il dit rien. Puis là, t'as Danny qui continue de fighter. Puis là, t'as le guide qui est à côté qui dit « It's a tree. » Ah ouais, il dit. « It's a tree. » Puis lui, il est là, la tête bien barrée. Puis là, Danny, je suis comme « Danny, je pense que c'est dans l'arbre. » Mais avec Danny, il faut quand même le mettre une couple de fois en punition. Parce que, sérieusement, Danny, il part avec une des plus belles cannes à dames pour pêcher un à côté de l'eau, des bateaux, puis on n'est pas loin. Puis il est pogné dans le pont, ou c'est sa blonde qui est pogné dans le pont. C'est lui. Mais il dit, en tout cas, il pogne la canne, puis là, on le voit faire à l'autre bout. Puis il tire, puis Danny dit « Fais pas ça, Danny, tu vas casser ma canne. » Ça prend pas deux coups, paf, la canne, elle casse en deux. Il va crier, tu sais. Elle est pas forte. Elle est pas bonne. Elle est pas forte, la canne. À un moment donné, on fait un tournoi, puis tu sais, faut se rivier assez vite, tu sais, faut partir assez vite. Mais tu sais, il prend tout le kit, bah, tout le marcheur de fond, il se rive tout au complet. Il prend nos poissons nageurs qu'on venait d'acheter, tu sais, qui coûtent quand même un des plus chers du coffre. Il prend tout le kit. À 24 piastres de plastique. Ouais, il prend tout le kit, puis il tire ça à l'eau. C'était pas attaché après ça. On va trouver de te mettre en punition encore. Mais je t'ai ouais, je pense que John, il l'avait servi assez vite. Mais en fait, là, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'il fait avec le poisson, il se prend. Fait que là, John, il enlève la canne de des mains. Il pète la ligne. Puis il met la canne dans le rod holder. Puis là, lui, John, il continue de pêcher, là. Puis moi, je pêche en arrière. Moi, je pars riche. Je suis comme, ah! Là, Dali, il a pas de piano!
dit à Danny, là, moi, je regarde Danny, puis j'ai dit, t'es en punition. Mais ça, c'est pas parce qu'on voit pas ça. Et deux minutes après, il m'arrive la même affaire. Et il débarque, notre ami sympathique John, fait la même affaire, prend ma canne, pète la ligne, met dans le radeau. Il avance un peu, lui, il continue de pêcher avec son bain. Mais là, vous êtes, il vaut bon. Mais là, lui, il a un bain, puis nous autres, nos deux cannes sont dans le radeau. Vous attendez. On avait bien les positions, bien de là, on se parle, puis là, un moment donné, je dis, John, can we fish? Je suis comme, je veux faire de quoi? Ouais, puis c'est pas ça, c'est bien me répond. Ouais, là, il me répond, ah, je fais juste regarder s'il y a du poisson, on va s'en aller. Là, je suis comme, je peux-tu regarder? Mais ça, c'est quand même très drôle parce qu'on voit pas. Le gars, il fait juste pas dire un mot. Puis on le voit, le bonhomme, les cheveux blancs, tout ça. Non, les, lui, il s'en vient, ramasse la canne, la met là. Puis ça, c'est une pêche. Vous autres, vous êtes plus là. Show, il s'en fout. Puis c'est pas ça qu'on sent pantoute pendant le show. C'est vraiment cool. Non, j'en avais quand même une belle image, mais tu sais, il était pas facile. Ouais. Il était quand même correct, mais tu sais, je veux dire, je dirais pas à tout le monde, mais allez pêcher avec lui, vous allez avoir une journée extraordinaire. Ouais, une journée extraordinaire. Mais pourtant, dans le show, ça paraît pas pantoute, là, vous avez vu. Vous êtes arrivé à des plus beaux bloopers, là, à vie, là, là. Fait, sérieusement, c'est épique. Oui, oui, vas-y. Vas-y. Sérieux, c'est incroyable, on y pense encore, des fois, je peux partir à rire dans n'importe quel moment que ça va pas en pensant à ce moment-là, tu sais. Parce que, il y avait deux bateaux, quand eux autres pêchaient avec John, là, on avait. Je vais juste dire que Jeff va être dans le prochain podcast, ouais. On retient cette histoire-là, non, on va poser des questions. Il y a des affaires que Jeff, on n'aura pas le choix d'en revenir, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est épique, là. Fait que, dans le fond, eux autres, ils partent avec le guide, faut qu'ils fassent des choix, parce que, tu sais, qui va être filmé, tout ça. Fait que, l'autre caméraman, ils partent avec Jeff part avec l'autre caméraman, puis il reste dans le bateau, puis Dan est avec le guide, puis avec, Danny. Fait qu'à un moment donné, il pêche, puis Jeff, il est pas super habitué, c'était une de ses premières fois à pêche, puis tu sais, Jeff, il a pas pêché beaucoup dans sa vie, surtout pas dans des conditions comme ça. Fait que Dan, il dit, tu sais, Jeff, quand tu vas avoir le tournage, quand t'as un poisson, faut que tu parles, faut que tu interagis avec ta caméra, puis tu comptes un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train d'arriver, tu sais. Mais l'autre caméraman, c'est pas un très grand pêcheur non plus, fait que là, il filme. À un moment donné, Jeff, il fire, pis là, clic, et là, ça finit, la canne donne un coup, pis là, il rile, pis, ah bah ouais, c'est the fish of my life, il dit, incroyable, le plus gros poisson, le combat. Mais il y a la branche, à un moment donné, mais, c'est ça. C'est ça. Ouais, et c'est là, ça. Là, il combat ça pendant super longtemps, c'est long, là, il parle, ouais. Pis là, c'est long, pis ça continue. 6 minutes, non, c'est de pas des faire, c'est un passé intégral, une soirée on-rated de road trip. Ah, c'est ça, vous aviez fait à l'AVM, on l'a poussé pendant que lui, il est là, puis on l'a poussé ce blooper-là. Puis un il dit, là, c'est le caméraman qui dit, je pense que t'es pris au fond. Il avait vu le désarroi dans son visage, là, complètement dévoilé. Avant, tu vois comme le caméraman qui focus sur le reel, il refocus, circule, il zoom sur le reel, ouais, pour vraiment voir, tu sais, si... C'est... ça dérive, il y a de la ligne, pis je pense que t'es pris dans le fond. C'est pas là que JF avait dit, on va faire comme si j'en avais un. Mais oui, sa première idée, c'est, on va faker, coupe comme si je l'avais perdu, pis là, il donne un coup de péter sa ligne, pis il dit, merde, je l'ai perdu, au poison de la ligne, wow. Pis là, nous autres, on regardait ça, pis t'es-tu malade? On va même pas s'entendre, mais dans le fond, il s'est passé la même affaire que nous, il a pogné un poisson, le poisson est allé se foutre dans les arbres, il était pris là. Mais ça, il l'avait dit, John, un moment donné, que c'était juste des arbres en dessous, puis je pense que vous avez pogné facilement 5-6 poissons, les premiers, que vous montrez à la caméra dans l'ordre, parce que vous faites toujours ça. Ils se décrochent tout le temps, c'est quand c'est quand je l'ai vu ferrer le premier, là, il est intense, j'ai dit, là, comme ça se passe, c'était violent, là. Il faut que tu rires, faut que tu sortes de là, il veut y aller en bas, puis il est fort, là, ce poisson-là. Mais c'est pour ça, peut-être, parce que vous n'aviez perdu une série, même sur le bateau à JF, c'est tough au bout, là, ils sont pas capables d'en sortir, ils les perdent tout, fait que c'est peut-être pour ça que ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il s'est dit, bon. Clic, restez. Il vous le dit même pas de rester debout, là. Vous êtes là, vous attendez, il se passe à rien. Moi, ça me fait très rire, ça. Je suis désolé. Il a tout le temps d'oreiller, c'est un peu, ça a la même gueule qu'un achigan. Ça pèse 13 livres, 14 livres, 18 livres. Il y en a des plus gros que ça. On est rentré d'un chalet, justement, qu'il y avait sur le site, là, un genre de restaurant cabane, là, non, le chalet d'accueil. Il y en a, là, qui avait 30 livres, 40 livres. Avec ce que vous venez de me raconter, ça met encore plus de poids sur l'affaire que je voulais jaser avec Danny, parce que c'est Danny qui a pogné le premier, qui a cassé la glace, qui l'a sorti, puis qui t'a ramené ça. Oui, mon premier ami. Puis là. T'es pas un pêcheur comme tel, là. T'es allé là-bas sans. Ben oui, oui. Il pêche depuis qu'il est tout jeune, mais c'était son premier poisson qu'il prenait. Mais c'est le premier du jour. Mon père, quand j'étais jeune, il me tenait une cale. Pour quand le guide t'enlevait la cale, tu te sentais comme avec ton père. Là. Mais t'es correct, Alex, lui, il pêchait des tétés au ballonné qu'on a appris. Il accroche juste au-dessus, tu sais. Il y a le ballonné.
Mais ça me confirme un peu ce qui s'est passé. Parce que t'as pogné le premier bar. Puis il y a une image qui est dans ma tête. Puis je suis sûr que vous allez retourner voir cette image-là. Parce que je me suis mis à observer des affaires. Puis ça, c'est bizarre. Parce que je regarde les shows avec un œil différent pour aller chercher plus de contenu, vous faire jaser. Mais ceux qui voient ça, là, allez écouter l'épisode 7. Au moment où Danny pogne son premier bar rayé. Puis que là, il s'en vient pour faire un high five à Dan. C'est écœurant, ça. Peut-être pour ça que vous avez en pénitence, après. Danny, il a un canapage dans les mains, il est pogné. Dan s'en vient pour lui faire un high five. Danny le regarde. Tu lâches la canne à Chris, le gars. Là, tu le veux high five, mais t'as lâché la canne à pêche de façon comme si c'était une cochonnerie. Je te le dis. Moi, ben, moi, je vais aller voir ça. Moi, cette image-là, là, je comprends les punitions. Honnêtement, t'as lâché la canne à pêche comme si c'était un vulgaire bout de bois. Tu venais de fêter le fiche, je te fais. Ouais, là, t'es comme. Ah non, j'étais plus dans l'émotion, là. Cling, elle tombe en tête. Le bonhomme en arrière, il fait juste regarder ça. Ah, peut-être quoi? Peut-être qu'il y avait un peu de rancune. Ben, je voulais m'en venger, là. Non. C'est cool l'émotion, là. Je vais aller voir le geste quand même, là, se maîtriser. Ben, je te le dis, va voir ça. Puis le monde va y aller, c'est sûr, mais c'est écœurant. Parce que moi, j'ai dit, voyons, on est-tu lâché à la canne? J'ai reculé la séquence, j'ai regardé. Ah, tout, il n'y a plus rien qui existe. La canne, ça vaut rien. Clower. Ben, j'avais même mettre bonheur. On l'entend très bien parce que t'es Mikey. Que cling, que qu'on l'entend taper 3-4 fois sur le bateau en tombant. Ah, il est vrai. Y avait-tu la remise à l'eau ou pas là-bas? Il me semble que vous avez remis à l'eau des bars. Oui, on en a remis, mais il y en a gardé aussi. On a gardé, puis j'ai un souvenir que j'avais gardé un filet. Ouais. On l'avait mis dans le congélateur du campeur. Moi, j'avais dit à Danny, ça n'a pas d'allure, on peut pas mettre ça dans le congélateur. Si on manque, on est tout le temps sur la route, on vient qu'on manque de batterie, là, une matinée, puis là, j'avais dit, mais pas ça, on peut pas faire ça, on cuisine pas de poisson. Il dit, oh, oui, je vais me garder un filet, je vais me garder un filet. Ben, genre une semaine ou deux plus tard, quand on est revenu au Québec, à un moment donné, j'ai retrouvé son filet qu'avait gardé dans le congélateur. J'ai lavé le congélateur avec toutes les sortes de produits, tous les trucs que j'ai trouvés. T'as encore des souvenirs de la présence. Au nouveau propriétaire du campeur, là, c'est ça que ça fait. C'est à cause de Danny. Je peux te dire que le campeur, quand on l'a revendu, là, on a enlevé tout le wrap qui était dessus, il était pas dans le tabarouette. Ben, j'imagine, ça a dû fader un peu la peinture originale. Ah, oui. Ça a arraché toute la beauté, là, aussi. Ça a-tu diminué le prix de vente un peu? Mais on avait une entente. Le commanditaire, justement, là, avec roulotte MLR, fait qu'on, nous autres, on s'en est bien sortis, mais lui, ça, il s'est arrangé avec, puis il m'a comme dit que c'était pas une rose du printemps, là. Là, là. Mais, tu sais, ces places-là, ils leur mettent, tu sais, ils sont capables. Oh, ouais, là, ils ont tous les produits. Ils ont réimprimé les stripes, ouais, tout clear. Mais pour la, c'est ça que j'avais remarqué, je pense qu'il y avait de la remise à l'eau, vous faisiez avec les bars, puis moi, je me posais comme question, c'était profond, là, où vous pêchiez pour le bar rayé, quand même. Non, mais pas si bien, quand même. Par rapport à Miramichi, où ce qui sont tes voies en surface et tout ça, le fait que tu pêches en profondeur comme ça, c'est pas bon pour le fish, tu sais, tu le montes rapidement d'une pression, quoi que ce soit, ça fait pas en sorte que... Mais je pense pas qu'il y avait assez de profondeur pour ça. Puis justement, ceux-là qui étaient plus maganés ou plus faibles, les poissons qu'on avait fait des plus gros combats, c'est ceux qu'on a gardés aussi. Okay. Là-dessus, par exemple, John était quand même très, très attentif, là, puis ça, je vais lui donner, là, son côté écologique était là, puis il faisait attention. Mais souvent, en lac-rivière, les gars sont plus... parce qu'en haute mer, souvent, c'est on le garde, on le mange, puis là-dessus, ouais. Puis ça a fait le clou du show, Jeff qui a pogné son malachigan de 17 livres. Ça, on va en jaser, mais qu'il soit là, parce qu'il va être au prochain épisode. On va être obligé de revenir là-dessus, parce que c'était sa première expérience. Puis écoute, c'est indescriptible de te voir en arrière, parce que là, tu vois ton ami qui pogne son premier vrai fiche. On va se le dire, là, c'est écœurant, ça, quand même. Ben, vraiment, puis en plus, lui, tout le long de cette aventure-là, il avait pas été gâté, là. À part un arbre, il avait pas pu manger. C'est l'arbre de sa vie, gars. Oui, 6 minutes de combat avec, c'était quoi, un peuplier? Mais ça va, il a pas plié, par Hey, gang, l'Arkansas, y'a-tu quelque chose qu'il faudrait qu'on sache qu'on n'est pas au courant? Non, à part ça, non, c'était correct. Là, à part le poisson, non, le mauvais camping, le mauvais guide. Moi, je veux juste vous féliciter, puis on va en parler parce qu'on va recevoir Alex une autre fois plus tard, dans un autre show, mais je veux vous féliciter pour la façon dont vous avez fermé le show parce que vous étiez en direction de la Nouvelle-Orléans. C'était dégueulasse, sa route. Vous veniez de passer les l'ouragan Irma, vous étiez un peu là-dedans, c'était épouvantable. Ça arrive, hein? Vous avez fermé ça avec...
on sait pas ce qui va arriver, le monde vous textait. De nuit. Ouais, mais en fait, vous étiez là pendant, là. Ouais, un peu avant. Dans le fond, ils annonçaient, ça disait comme qu'en Nouvelle-Orléans, il allait être là dans 5 jours. Nous autres, on était là 3 jours. Ouais. J'ai des amis qui me textaient, mais si vous allez par là, si vous allez vous aimer, vous allez voir. Oui, bien c'est ça. Malade, tu sais, vous en allez vers le. C'est impressionnant, la pareil. Parce que là, tout ce que tu vois, c'est. Ben, une fois rendu là-bas, on s'en apercevait pas, par exemple. Il y avait rien qui laissait présager ça. Non, parce que vous aviez mis. Vous aviez installé une GoPro sur le dash, puis on a eu droit à un time-lapse, puis c'était quand même. Tout ce qu'on voyait, c'était embrouillé des lumières, puis c'était le ciel noir, puis les éclairs, puis tout. Ah, il y avait des éclairs. Ce soir-là, on a eu une méchante orage. Vraiment, c'était pas encourageant, non? Le bateau, le camper. On n'en a pas reviré. Ah ouais. Parce que l'émission 8 commence avec la tempête qui continue. Vous nous avez laissé sur un bon suspense, là. Alex a fait une sale job, on va se le dire. Là. C'est écœurant. Hâte de voir ce qui arrive après. Puis là, vous êtes arrivé en Louisiane. Vous avez sauté un voyage pour vous rendre là, parce qu'au début, c'était pas là votre. Vous êtes revenu par la suite. Ben, en fait, normalement, c'était l'inverse. On passait par Cape Cod, puis après ça, on se rendait en Louisiane. En Louisiane, mais là, vous avez directement été en Louisiane. Parce que du côté de Cape Cod, c'était vraiment le chaos, là. Ça brassait. Il y avait beaucoup, beaucoup de vagues. On pouvait pas sortir, là, justement, à cause de l'ouragan. Puis, c'était une run de quoi, 19h, je pense. C'était ça. Comment ça avait pu être ensemble? Mais entre l'Arkansas et la Nouvelle-Orléans, si on était proche, là, c'était pas long. Là. C'était en bas de 10h. Là. Je pense que c'était 6 ou 8 heures. C'est au retour après qu'on avait fait. Ouais, parce que vous avez changé de chemin, tout ça. Vous êtes revenu par l'envers. Fait que la Louisiane, il y a un mot, honnêtement, ça pour moi, c'est une émission qui se classe là dans mes tops. Là. La vue, c'est Bayou, c'est les. Ah, mais ça, là. Moi, dans pas mal toutes les aventures qu'on a faites, là. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est un trip de flow, tu sais. Fish, on en a parlé, puis toute la quête. Quand je me suis ramassé en Nouvelle-Orléans, assis dans la réhausseur, le soir à minuit, tout était fermé, puis là, on décollait avec les mofs, ses oreilles, puis les arcs dans les mains pour aller pêcher. Ah, t'allais à la guerre. Là, je me suis vraiment dit, on est tombé rendu loin, notre projet de vidéo de web, on avait avec notre petit trip de chum, puis toute la quête, c'est débile, là. Tu sais, on s'en va à la pêche à l'arc d'un bayou. Ça a vraiment été un moment marquant, ça, là. On sentait comme des petits gars à Noël, là. Ah non, on se regardait, là, débile, les mains, puis. Honnêtement, l'ambiance de cet épisode-là, ceux qui s'en rappellent plus, qui l'ont pas vu, Alex a encore fait une job de montage de fou parce que là, la musique qu'il a mis, le thrill. Ah, j'ai encore la tourne dans la tête. Hey man, tu l'entends. Ouais. Moi, je l'ai réécouté et j'ai fait comme, j'ai envie d'y aller. Là. Puis là, l'image en plus est sombre. Il y a un éclairage vert sur les aéroglisseurs à hélice. Puis là, t'entends ça partir. Puis on vous sent tous de même. Puis là, il s'est installé de quoi de vraiment cool entre vous autres parce que là, vous tirez, vous expliquez comment ça fonctionnait. Et là, je sais pas si vous faites souvent ça, le roche-papier-ciseau. Mais là, c'est un standard. Sauf que là, à chaque fois qu'il y en a un qui tire, c'est à l'autre. Puis à toutes les fois, vous espériez que l'autre lâche le coup parce que vous vouliez pas que l'autre réussisse à être le premier à tirer. En temps de compétition, cette fois-là. Là, alors, c'était solide. C'est intense. Parce que vous tiriez à l'arc. Vous avez une pêche à l'arc. Ah, mais de toute façon, on n'a pas eu grossi. La première fois, c'est tough, là, parce que le poisson. Ça avait l'air dur. Mais en fait, t'as comme un champ de lumière autour du bateau, tu sais. C'est pas long, 3-4 pieds du moins en avant. Puis lui, il a sa grosse spotlight. Tu rentres dans. Le poisson rentre dans le champ de lumière, lui, il dégage. T'sais, il s'en va, c'est instantané. C'est pour ça que le gars, il est spot là, de loin. Ah oui, lui, il voit, puis lui, il sait où tirer, puis tout, mais nous autres, non. Puis là, t'as la réflexion de l'eau, t'as le fait que, tu sais, quand t'es dans l'eau, faut que tu tires un peu en dessous, faut pas que tu tires du dessus. Ouais, parce que la en plus, c'est le même principe que si tu chasses de l'oiseau ou quelque chose, faut que tu tires en avant. Parce que le poisson, il avance, le temps de ton réflexe. Fait que là, faut que tu tires en avant, en dessous. Et avant que ça rentre, là, c'est long. Ah non, vous en avez tiré dans de la boîte, là, Le premier soir, là, le premier soir, t'es tout le temps l'arc tendu, là. Elle a mené, t'as mal aux épaules, t'as mal dans le. Moi, j'ai manqué de tirer un dauphin. Ouais. Donc, il y a des dauphins, des bayous, ouais. Je savais pas ça. Fait un moment donné, moi, je suis sûr, c'est le poisson de ma vie, moi aussi. Il est super gros, il sort de l'eau, moi, je te baigne là. Là, je me dis, cette fois-là, je te le manque pas, tu sais, il est assez gros, c'est sûr, je tire dessus. Là, j'ai le guide qui me crie après. Non! J'étais prêt, là, j'étais sûr, mais là, j'ai allumé que c'était pas un poisson. Ah, il y a des gros rats aussi, la bayou. Ouais, mais on l'a mis, non, on l'a pas mis. Non, qu'est-ce qui se passe avec les rats, qu'est-ce qui arrive? Ben, parce qu'à un moment donné, moi, justement, c'est encore moi qui ai tiré. À toutes les fois que j'ai tiré, j'ai réussi, mais c'était pas une bonne affaire. J'en tire un qui passe dans l'eau, je suis super content, pis tout, pis le guide du haut, touche pas ça, tu sais. Fait que là, il sort ça, c'est un rat, écoute, ça demande ça. Deux, il y a mis trois pieds de long, c'est le rat. Un rado, pis eux autres, c'est vraiment. Là-bas, là, tu sais, c'est de la peste, là, ils en ont partout. Puis là, ben, j'ai le guide qui le pogne au bout de la flèche de même, qui sort de ses culottes un 9 mm, crisse une balle dans le rond. Ça place ça comme
comme si c'était rien d'atteint. Ils disent, ils disent, parlez, bouchez vos oreilles. Paf! Ils tirent leur oreille, ils tirent dans le fossé. Ils se remettent ça dans les culottes. On était tous en train de faire. Là, on était loin de chez nous. Le plus, c'est que ce gars-là, avec son 9 mm, si quelqu'un s'en vient l'écœurer sur son terrain, il peut faire la même chose, il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est... c'est un autre. Ah, mais ces gars-là tirent à l'arc, là. Ils hallucinaient, là. Ils rentraient des fiches dans le bateau. Au début, on voyait, c'était le guide. 88% des poissons, je sais pas qu'on a pogné, c'était le méga, le machin. Mais j'ai manqué en plus. Ouais. Ouais. Mais tu sais, parce que c'est deux techniques complètement, tu sais, mélangées. T'es, un, c'est tir à l'arc. Ouais. Deux, c'est chasser dans, tu sais, tirer dans l'eau. Fait que, tu sais, c'est deux environnements que les gars sont vraiment pas habitués. Puis, tu sais, quand même, que vous avez réussi à en prendre, à en avoir quelques-uns, c'est déjà bon, là. Mais ça marche comment? C'est ta flèche, à quoi? Elle a comme une de quoi qui rouvre, fait qu'elle peut pas sortir. Exactement. Okay. Puis après ça, t'as un reel sur ton arc. Il y a comme une espèce de tube à côté, puis c'est ça, tu. En vrai, tu l'as pas écouté, toi, là. C'est ça. Ça fait longtemps, mais deux, il y a du monde qui l'ont pas écouté, qui écoute peut-être ça. C'est vraiment un grappin qui ouvre une fois qu'il a passé le poisson. Honnêtement, tu t'es bien sorti, Jonathan, je suis fier de toi. C'est vrai qu'il y a du monde qui le sait peut-être pas, mais ça encourage à aller voir le show. Mais il y en a de plus en plus au Québec, du monde qui pêche comme ça aussi. Il y a des places que tu as le droit, puis je connais pas la réglementation là-dessus. Mais c'est pas très populaire. Et c'est ça, on va rentrer dans ce volet-là parce que, honnêtement, on en a vu du monde, puis si tu vas sur les... On voit que t'as pas regardé le règlement. On voit que tu vas pas sur les forums de pêche, parce que sur les pages... sur les pages Facebook de pêche et que la pêche au harpon est pas aimée, parce que malheureusement, il y en a qui ont pas de respect pour ça, et il y en a qui pognent du poisson. On a vu du monde tirer sur des achillants, ils les prennent, puis ils les pitchent dans le fossé, puis ils s'en foutent. J'ai vu du monde le faire correctement parce qu'ils ramènent la viande, ils s'en servent comme appât pour leur chasse ou des affaires comme ça, puis ça, j'ai pas de problème avec ça. Oui. Mais c'est très mal vu, la pêche au harpon ici, parce que c'est mal fait. C'est-tu une impression que j'ai, mais à la base, au Québec, de garder un achillant, c'est déjà un peu... Oui. Un peu bordard. C'est un poisson qui est très sportif, qui est... Oui, mais en fait, n'importe quel poisson, c'est tout le temps le même, puis le monde, c'est correct. Il y a un chiolage facile sur les réseaux sociaux parce que tu te fais traiter de viandard parce que tu gardes un quota. Si c'est, il y a des quotas de fait par permis, c'est fait parce que tu as le droit de le faire. Ouais. Mais moi, aussi, au niveau de là-bas, qu'est-ce qu'il faut expliquer? C'est que nous autres, on est passé pas longtemps après Katrina en Nouvelle-Orléans. Il y avait eu la grosse ouragan. Le monde là-bas, ça faisait pitié, puis il y avait eu au-dessus de 40% de la population qui avait quitté parce que ça a duré longtemps. Fait que les personnes sont comme allées vivre ailleurs, puis après ça, ils reviennent pas. Parce que la bâtisse qu'on est, on voit des fois des prises de vue. Le balcon doit être à 14 pieds dans les airs, puis l'eau avait monté jusque-là. Jusqu'au balcon. Ouais, ça, parce que là-bas, ils sont vraiment plus bas que le niveau de la mer. Fait que la mer était comme venue les chercher. Ça avait tout envahi au complet. 100% des prises qu'on a eues ont été mangées. Toutes. Même Laura? Tout au complet. Ben oui, mais pas par un humain. Tout au complet. Ils gardaient tout. Puis eux autres, cette compagnie, là, Beau Fishing, il y a une place où ils vont porter justement la nourriture, des papas troulantes, un peu comme ici. Puis les gens il n'y avait les pas mangent, dit aussi que, pour alimenter le requin, les boîtes de congelé qui faisaient ça avec ces poissons-là. Peut-être, mais ça, c'était plus à Cape Cod qui en faisait. Mais c'est ça qui est cool de préciser, c'est que tous les prises qui sont faites là-bas servent à nourrir du monde. Oui. Moi, tu sais, pour avoir voyagé beaucoup puis pêché à plein de places, je pense qu'avant de juger les personnes, les gens avec qui on va, il faut connaître leur situation. Oui. Oui. Tu sais, quand tu vas dans le sud, ils n'ont pas beaucoup de remises à l'eau à plein de places. Non, mais ils mangent pas. Mais ça nourrit plein de gens. Ça nourrit les familles. Le maï-maï qui remet pas à l'eau va nourrir quelqu'un pendant 3 jours. Exact. Mais si je peux faire une petite parenthèse, là, tu sais, même moi, là, je suis un pêcheur, j'aime consommer du poisson, OK, j'en ramène, j'ai un équilibre là, dans tout ça, là, très respectueux, mais de voir un quota étendu à terre dans une glacière, moi, j'ai de la difficulté. Tu sais, puis je m'adresse à tous les pêcheurs, que tu le gardes ou que tu le gardes pas, ton quota de poisson, ça t'appartient, puis c'est bien correct. Jamais je vais juger ça, puis tu sais, je suis bien content. Tant que tu respectes les règles. Si tu respectes les règles, c'est très important, mais prenez une belle photo avec un poisson entre les mains, pas avec des brochettes, avec le sang qui dégoutte ou les poissons étendus dans le fond de dans le fond du bateau. Une photo respectueuse t'sais, envers. Exactement, tu sais, ça c'est un conseil. Vous ne susciterez jamais de haine sur les réseaux sociaux de cette façon-là, puis de doute, puis des gens qui ne se mêlent pas de leurs affaires, puis des commentaires. Ouais, mais regarde, vous étiez over que. Non. Prends une belle truite, là, prends ta photo avec ta truite avec un beau sourire, nettoie-la deux secondes, prends le temps de prendre le respect du poisson,
C'est la base. T'sais. Je peux vous dire que si j'ai l'opportunité d'y retourner, j'y retourne, c'est sûr. Ben, honnêtement, c'est une expérience qui a l'air cool. Puis le fait que vous mettiez l'heure juste sur ça, parce que c'était quelque chose que c'est sûr que le monde allait challenger sur bon, il tire des poissons sont morts, mais quand tu sais que ça nourrit du monde, comme dans le sud. Ah, je peux dire qu'on faisait plaisir à beaucoup de gens. Le Goldfish, ils font des dentiers avec ça aussi. Ce que tu mentionnes au niveau des photos, il y a une sorte de photo qui est une tradition, puis c'est quand même bien fait. Le lac Ontario, quand tu sors une quinzaine de Chinook puis des Cobes, des choses comme ça, tu peux pas les remettre à l'eau. Ils vont mourir tellement qu'ils ont fighté. Puis ils sont hyper ils font même plus. Mais il y avait un crochet où tu les étendais toutes, puis c'était comme la photo de la fin pour dire hey, ça, c'est notre pêche, mais tu peux pas les remettre à l'eau, ces poissons-là. Non. Fait que c'est quelque chose qui était quand même. Mais effectivement. Non, mais lac Ontario aussi, il faut comprendre que. Ils font beaucoup d'ensemencement pour ça. Le lac est en pleine santé. Il y a énormément de poissons, puis ils en mettent des millions par année pour que les pêcheurs puissent y aller, puis que pour ça continue. Qu'un continue. Au-delà de ça, quand ils vont frayer, là, ces poissons-là, ils meurent toutes. Il y a seulement la truite arc-en-ciel, la stylette, qui meurt pas. Et c'est quatre ans, je pense, qu'on disait. Puis honnêtement, votre chum, Yvan Charrois, en a parlé, puis on va le mentionner plus tard, parce grandit, il grossit plus vite. C'est solide là, comment il mange. Il mange son poids. J'ai pris les infos pour plus tard. C'est fou. Là, je revenais à de quoi dans Kako. On peut pas passer à côté de ça. C'est encore Danny qui a eu le premier à l'arc. Là, c'est un guerrier, là. Moi, là, sérieusement, il se passe une guerre ici. Je m'en viens te chercher. Je te mets un arc dans les mains, puis je suis correct, là. Je vais être en arrière. Je vais être en arrière. Si t'es en arrière de moi, c'est sûr que je suis le premier à mourir, là. Mais oui, j'avais pas eu le premier. Puis après ça, Dan t'a pris un garfish. Puis écoute, j'ai regardé le poisson. C'est sensiblement la même chose que les notes, mais il me semble que les notes, le nez, sont plus allongées. C'est pas la même chose. C'est ça, mais c'est sensiblement le même genre de poisson. C'est la même famille. Ils sont plus gras un peu, mais l'avais choisi. C'est ça. Ah, tu te mets pas main là. Hein. Non, ouais. Mais tu regardes des dents, exactement. Ils font des dents. Mais, c'est impressionnant. Mais ici, c'est un lépisosté. C'est pas la même affaire qu'un gar. Mais ils appellent ça un gar en anglais, je pense. Non, ouais, ils appellent ça un gar. C'est le même nom. C'est la même famille. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. C'est okay. La même. Dans le fond, je connais pas peut-être la génétique change un peu ou quelque chose. Mais comme ils sont beaucoup plus aplatis le nez, puis sont beaucoup plus longs. Là. C'est ça qui faisait la différence. C'est quoi vous avez mangé comme poisson là-bas? Les avez-vous goûté ces poissons-là? Directement là-bas, non. Parce que nous autres, on a quitté ce soir. Le dernier soir qu'on a pêché, on partait le lendemain. On avait quand même beaucoup de route à faire. Puis on n'avait pas mangé sur place, je pense pas. Non. Je me rappelle. Non. Parce que lui, il l'avait demandé si on voulait justement le donner pour les associations. Puis il avait tout. Ça faisait combien de temps que Katrina était passée quand vous êtes allé? Oh, tu m'embêtes, là, mais ça faisait sûrement une année complète. OK, un an, OK. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ça a détruit l'économie, ça a tout détruit. Ouais, les gens ont abandonné leur résidence puis ils sont jamais revenus. T'as pas vu la dégueulasserie, là, il y avait quand même un an qui avait passé à ramasser un peu. Ouais, c'était mieux. Puis en plus de ça, pendant que tu t'en vas là-bas, t'es dans Irma, un autre qui t'entraîne de fesser un peu plus loin, là, une couple d'heures de là. Ben ça, on l'a vécu quand on a d'un autre voyage, là. Ouais. Mais à Nouvelle-Orléans, en dehors de la pêche, là, c'est quand on s'est ramassé dans le stade des Sens. Ben ça s'en vient. Là, tu le devances. Moi, j'ai été impressionné de ça, mais juste pour suivre le fil, je veux savoir de quoi, parce que sûrement que le monde se pose la question. Quand vous arrivez d'une place de même, réussissez-vous à avoir des deals vu que vous êtes roadfish puis que vous le dites, c'est pour un show de TV? Ça dépend des places, mais je te mentirais pas que quand tu vas du côté US, États-Unis, c'est probablement la place la plus difficile. Qui sont le moins ouverts. Est-ce que pour eux autres, ça leur rapporte fuck off? Ben, pour eux autres, les Canadiens, c'est pas un revenu, puis ils sont plus indépendants un petit peu, c'est certain. Tandis que quand tu as des voyages dans le sud, ben il y a beaucoup de Canadiens qui voyagent. Fait que c'est. Il y a encore 30% des Américains qui pensent que la Terre est plate aussi, puis ils savent pas c'est où le Canada. S'il y en a de ça, ils sont aussi. Hein? Il y en a de ça. Fait que rendu à Nouvelle-Orléans, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Canadiens qui allaient là. Je suis surpris, je pensais que ça serait levé en disant « Et pas plate, c'est parti! » Non, je suis pas rendu là encore. Il y a certains principes que je garde. Mais oui, quand même, on a réussi à en avoir un peu, mais à cet endroit-là, je pense qu'il a donné le deal qu'il aurait donné à n'importe qui aurait écrit sur Facebook, qui aurait booké 2-3 jours. Pourtant, il doit en avoir du Québécois, puis qui voyage, puis qui pour la pêche. Ben oui, mais. C'est sûr, on ne doit pas être le plus grand sur Nouvelle-Orléans, à l'arc d'un bayou, là. Moi, je n'ai jamais vu personne. Non, mais parce qu'on ne connaît pas ça. T'sais. Ouais, ben exact. Puis à toutes les fois, vous le mentionnez, vous donnez la chance aux gens de voir quel genre de trip qu'ils peuvent se payer. Puis souvent, c'est pas si cher que ça. Mais non. Non, c'était pas dispendieux. Là, la bouffe est inclue, vous autres, dans tout ça. Là, non. On avait un appartement, mais on se faisait en manger nous autres directement à l'appartement. Puis là, ben, Danny, tu m'as devancé, mais j'arrivais là parce que je sais pas comment. Vous êtes allé sur le terrain des Saints avec vos caméras,
Puis c'est ça que Manny GF dit. Ben, on avait des caméras, je pense que le monde pense qu'on est une équipe de tournage. Vous avez passé devant la sécurité. T'es-tu sérieux? Vous avez passé. Il y avait les chars de police, il y avait tout, puis on s'est regardé, moi puis Jeff. Nous, on s'est passé là-dedans. Ouais, moi puis Jeff, on est assis audacieux, puis on se dit, on voit ça, on est dans la rue dehors. Puis là, c'est tout ouvert, parce qu'on est en train de monter, puis de rentrer le stock dans le stade. Fait que t'as comme un gros tunnel qui mène direct jusque sur le milieu du terrain. C'est le tunnel des joueurs pour aller sur le milieu du terrain. Ils rentrent là avec les caméras, ils s'en vont sur le gazon. Puis, là, on s'en va là comme normalement. Puis là, j'étais là, on n'arrêtait pas de dire, on regardait pas les sécurités, passez droit comme si vous savez où vous allez. Puis là, on s'est ramassé en plein milieu du terrain avec l'affaire soufflée des Saints sur le terrain, sur le gazon. Puis là, un moment donné, on est là. Et on était là longtemps. Là, on était là 15-20 minutes, certains. Puis un moment donné, il y a un agent de sécurité qui s'en vient vers nous autres. On le voit arriver, mais on se revire. On fait comme si de rien n'était. On continue de prendre des selfies. Mais au milieu du terrain, il revirait de bord et il est reparti. Il n'est même pas venu nous voir. C'était spécial, le tapis aussi. Hein. On n'a jamais. C'est un synthétique. C'est synthétique. Oui, c'est un synthétique. Ah, ouais. T'as vu, ça, c'est drôle parce qu'on est dans un podcast. Ça arrive. Il y a Bernard qui est en train de paniquer sa vie en arrière des consoles. On l'a vécu sur le premier show. Ouais, puis il va repasser dans l'autre sens encore. Là, il ramène le stock plenty, puis après ça, il s'en va le porter. Non, mais fait que c'est pas grave, on vit bien avec. Je veux parler vite. Quand vous êtes allé en ville, vous avez visité la Nouvelle-Orléans. Aïe, aïe. Parce que, ça, c'est wow. Non, mais quel show! Parce que, tu sais, New Orleans, on va se le dire, là, vous avez vécu les bayous, mais il y a un rythme de vie de jazz, il y a une ambiance écœurante là-bas. On m'a dit que c'était dangereux là-bas, là. Ben, nous autres, on s'est fait attaquer. Ouais, c'est ça, hein? Mais tu restes à la main. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Okay, mais Alex, il a un gros portefeuille, autres, mais pas d'argent. Il a comme sorti le portefeuille, mais nous autres, sérieusement, là, on a vécu une aventure, cette journée-là, digne du film Hangover. Là. On faisait le prochain volet du film Hangover, là, vraiment. Ouais. Nous autres, on est allés veiller, justement, en ville, puis tout. Mais tu sais, on est arrivé là de bonne heure, on est arrivé là à 3h l'après-midi. Ils ont cherché Danny tout le temps. Non, 3h l'après-midi, il se passe rien, tu sais, c'est super tranquille, ça décolle peut-être à 10-11h. Le soir, le gros party. Okay. Mais quand ça décolle. Les rues sont fermées, puis c'est des milliers de personnes. Du monde qui joue. Il y a des groupes, des chanteurs de jazz, de blues partout. Les gars ont fait même le show. Ouais, j'ai vu avec les guitares électriques, ça c'était cool. Là. Ils se sont pognés des guitares. Il y a même du monde qui sont venus vous donner de l'argent. Sûrement pour qu'ils arrêtent quelque chose. Parce qu'ils faisaient pitié. Non, mais Alex puis Jeff, c'est des bons musiciens. Ben oui, hey, jamming même avec la guitare. Il y en a qui trippaient sur la musique. Là, c'est du blues, du jazz partout. Là, les autres, ils sont du gros rock. Lourd, là. C'est peut-être ça, vous êtes tout à fait. Ce qui est fun, c'est que tu te promènes dans la rue. Tu te promènes dans la rue, tu as ton verre, tu ta bière. Tu rentres au restaurant. Le restaurant, il prend un verre, vide ta bière. Et tu rentres dans le restaurant avec ta bière. Oh, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes fait attaquer? Ben, en fait, on a passé une soirée assez arrosée quand même. On a fait le tour des bars et tout. Il était rendu 4h du matin. 4h Dan, il n'arrêtait pas. 5h. Fait que là, un moment donné, on a comme pris. Il y a des petits bicycles qui passent. Là, ils chauffent. C'est comme un tricycle. T'as un banc en arrière, tu peux t'asseoir. Comme un tuk-tuk. Ouais, comme un tuk-tuk. Là, on embarque, mais tu sais, trois gars bien chauds là-dessus. Puis là, on prend notre bière. Il nous fait promener partout. Puis là, un moment donné, elle a dit, vous voulez aller où? Je sais pas, ramène-nous au point de départ. Puis là, on finit par se dire, il faut rentrer. Tu sais, quasiment 5 heures du matin. Fait que là, on a perdu Danny, premièrement. On s'est tous perdus. Ouais, on a perdu Danny, Jeff, puis Nico, eux autres, ils étaient pas ce Nico-là, mais l'autre, il était NBC qu'on appelle, il était parti ailleurs, on savait plus, il était où. Fait que là, nous autres, on s'est dit, moi et Alex, on va rentrer au campeur. Mais là, on se perd total. Là. On est rendu dans le quartier chaud, parce que collé, c'est un quartier français, c'est un quartier chaud, mais nous autres, on le sait pas. Dans ce quartier-là, là, tu tombes, il n'y a plus de réseau de téléphone, puis il n'y a pas de lumière nulle part. Hein. Là, on marche dans les rues. Puis là, un moment donné, c'est comme vous étiez chaud, fait que c'est dur de voir. Non, t'es chaud. Tout hein. Il était prêt à se battre. Mais pour vrai, puis écoute, on s'entend-tu quand t'es chaud, tu penses que tu peux te battre, mais tu peux pas, là. Mais pas rien que ça, c'est que pour toi, tout est pareil, tu marches, puis t'as hâte d'arriver. Là. Ouais, mais là, un moment donné, on faisait. Moi, j'allais sur un coin de rue, Alex, il allait sur l'autre. On essayait de spotter de loin, on est où, parce qu'on n'avait plus de réseau, puis tu sais, on était plus là pendant tout. Puis Alex, c'est quand même une fille, là, tu sais. Alex, il y a une fille qui vient le voir à place colle après, puis hey, darling, arrête pas de le coller de même, puis un moment donné, elle main dans la poche, puis essayer de voler son portefeuille. Puis là, il repousse, puis hey, va-t'en, ben de quoi? Puis là, il y a un gars qui arrive à la course, puis qui saute dessus, bang, il essaie de voler son portefeuille. Là, je m'en vais le rejoindre, moi, j'ai jamais rien vu de ça, parce que j'étais sur l'autre coin de rue à spotter. Peut-être, c'est même pas vrai aussi. Je sais pas. C'est ça. Mais là, finalement, on réussit à sortir un coin, on se colle un taxi. Là, le taxi nous demande, tu sais, on est où? Je m'en rappelle même pas. Nous autres, on a parqué le campeur avec le bateau en plein centre-ville, le quartier français. Non, mais on l'a quand... Moi, j'ai loué 6 ou 7 parkings, puis j'ai mis le motorisé en plein milieu dans le parking-là, puis toute la quête. On est parti à pied. Mais là, il nous demande, le chauffeur de taxi, où est-ce qu'on s'en va? Bon, on essaie d'expliquer.
Là, un moment donné, il me dit « Ah, vous allez à telle plage. » Je dis « Ouais, c'est ça. » Fait que là, il nous amène là-bas. Ouais, ouais. Là, il nous débarque. Ça sonne comme je connais. Là, là on débarque, il repart, tu sais. Puis là, on est encore dans une place qui fait noir au bout, puis tout. Puis là, on avance, puis on se rend compte qu'il y a plein de gratte-ciel où ce qu'on est, tu sais. On n'avait pas le matin. Ça pousse vite. Ouais, on est comme « Merde, on n'est pas à bonne place. » Hey, là, ça a fallu reprendre un autre taxi. On s'est rendu au motorisé, il était 6h30 le matin. On arrive là, il n'y a personne. Personne n'est là. Fait que là, nous autres, on déborde le motorisé, on se couche. Là, un moment donné, ça vargeait dans la porte depuis 15 minutes. Ouais, moi, j'étais comme, on sait qui arrête, m'empêche de dormir. Là, c'était Danny qui était là. Lui, Danny, il avait levé la toile du bateau en arrière parce qu'il était rentré plus tôt et il n'avait pas les clés. Il pas il s'était couché dans le bateau à l'arrière. J'étais en moton, les toiles sur le côté. Puis fait que là, à un moment donné, j'ai dit, il n'y a personne encore. J'étais dessus. Là, dans mon livre, moi, j'étais tout seul. Il n'y a personne d'arrivé au bateau. Fait que là, moi, je me couche en boule. Mais là, quand je vargeais dans la porte, le moment donné, j'ai réalisé, je vois passer le fil d'extension de la génératrice par la fenêtre. Ah, ben, Colin, la fenêtre est ouverte. Je regarde, Danny couché là. J'ai vargé dans la porte, il venait, là, j'ai réussi à le réveiller, ouvre-moi la porte. Mais là... On cherche NBC. Il manque encore du monde. NBC puis Jeff. Fait que là, on essaie de les appeler, là, un moment donné, ça répond. Là, il est rendu 10h le matin, puis nous autres, il faut se rendre jusqu'à Cape Cod, man. On a 1800 km à faire. Fait que là, Jeff, il répond. Puis là, je disais tout, man, puis tout, ah, il dit, on trouvait plus le campeur. Il dit, on s'est loué une chambre d'hôtel, puis tout. Puis là, il me dit « Ah, merde, je sais que là, hey, je viens d'ouvrir le rideau en arrière dans ma chambre, il dit « Je vois le campeur. » T'as pas chaud, les gars. Alors, fait qu'ils ont dormi dans l'hôtel, puis disons, on était dans le parking en arrière, ils nous trouvaient pas. Ben, ce que je trouve malade, là, c'est que tous ceux qui vont écouter votre trip de 700 km, jamais ça transparaît que vous avez vécu cette marde-là, man. Même moi, là, je l'apprends là, puis c'est écœurant de savoir que vous avez vécu toutes ces... Non, mais on le rit encore. On le rit même le lendemain, là, tu sais. C'est un mais le lendemain, on le rit, mais on l'a vomi aussi, ce soir. D'accord, parce que... pour se rendre à Cape Cod, là, il y a des moments qui étaient de silence. On se nexait sur le volant, puis ouais, go. Ouais, on est arrivé à 1h du matin. C'est pas là que t'en avais un qui piochait dans la porte parce que non, le 6 parking. Non, ça c'est après, ouais. C'est plutôt une autre aventure. Non, ça, ouais, c'est rendu, c'est après l'Ontario, ça, quand on a commencé à descendre, on était à Ottawa. Les boys, on vient de finir vite sur le beau fishing. Juste curiosité, il y a une sorte de poisson, je sais pas si j'ai bien pris ma main, mais il me semble que c'est marqué dans l'écran, une tête de mouton. C'est quoi ce poisson-là? C'était weird, un poisson. Avoir tes yeux, d'après moi, c'était pas ça. Je m'en rappelle plus. Non, c'est vraiment mais marqué ça dans les. Ouais, ouais, c'est sheep, vraiment, quelque chose. C'est un poisson spécial, il était quelque chose, c'était sheep de quoi, mais c'était marqué tête de mouton. Ouais, je m'en rappelle. C'était weird comme fish, pareil. C'était, après, les snakeheads, c'est des sheepheads. Mais ouais, c'était quelque chose comme ça, mais je m'en rappelle pas. Ouais. Je sais que ça me dit de quoi, mais mon souvenir, je l'ai on pas va écouté, revenir, on va revenir là-dessus. Enfin, je vais le réécouter. On va prendre une petite pause comme la dernière fois. Le monde sont habitués, on prend une petite pause, on revient. Pour eux autres, ça va être 10 secondes, mais pour nous autres, on. On prend un petit 10 minutes. 10 minutes. Ça marche. Fait qu'on a fini ça avec le beau fishing. Et là, épisode 9, requin bleu. Lui, tu l'as-tu écouté? Non. Non. Moi, Dan, non. Finalement, je la trouve plate, ton show, je l'écoute jamais. Fait que là, finalement, ce qu'on va faire, c'est que la portion... Je les enregistre, mais je les écoute pas. Je les écoute pas. Je te donne des views. La portion salariale... Si je l'écoute pas dans 2 semaines, ça me donne pas de views. Ah ouais? Je vais écouter prochain. La portion salariale, Dan, là, vire ça dans mon compte direct. Fuck, ça paye à lui, ça vaut pas. Au début, c'était là que vous deviez aller, avant d'aller en Nouvelle-Orléans. Exact. C'est qui donne des coups de pied en zone? Arrêtez ça. Je le ferai plus. Lui, là-bas, il nous fait des yeux, c'est sûr. Fait que vous deviez aller au requin bleu en premier. Puis finalement, ça a flippé à cause de la température, tout ce qui s'est passé. Mais quand vous êtes allé là-bas, vous avez pêché du maquereau pour le requin bleu. C'est un peu comme quand vous allez voir avec Scott Bruce. Tout le monde se met à travailler le maquereau. On pêche le bait, ouais. C'est le même principe. Vous descendez ça dans le fond, puis quand vous relevez, c'est instantané. Il y en a 5-6, c'est la même chose. Il y a une affaire de spécial qu'ils font pour rapporter, par exemple. Ils l'ouvrent en 3 parties. Comme une espèce de cerf-volant, là. Puis pour mettre sur les. Il rentre ça sur un genre de squid ou je sais pas trop. Ouais, ouais, exact. Il fait, excuse-moi, il fait comme aussi 2 caisses de lait collées, là. Ça, oui. Puis plein de morceaux de poisson. Mettre du chum. Puis là, il tire ça, c'est congelé, là.
Fait qu'ils tirent ça à l'eau, là, puis, tu sais, ça a amené avec le temps, là, ça se défait des petits morceaux. Ouais, là, puis le sang. Parce que tu cherches pas le requin, le requin est tout. Le requin vient te chercher, peu importe. Puis, tu sais, ils savent à peu près où aller. Vous étiez tout le temps sur le bord d'un espèce de grand pont qui traînait, là. Vous saviez que ça se passait là, là. Tu sais, c'était là. Ben, moi, non, mais le guide, oui. Ouais. On le payait pas. Effectivement. Il y avait une affaire bizarre. Pourquoi ils mettaient une ballonne, saviez-vous? Tu sais, ils prenaient un ballon, là, comme pour les fêtes des enfants. Ben, en fait, ça. Sinon, t'as pas de repère sur ta ligne. Tu sais jamais quand est-ce qu'elle part. S'il y a un appât qui est à l'eau, puis que tu le laisses là, puis qu'à un moment donné, il y a un requin qui le prend et qui part avec, s'il n'y a pas de ballon, elle ne calera pas dans l'eau. Là, en mettant une ballon, quand ça mord, la ballon, ta paire, elle part dans l'eau. Puis ils ne vendent pas assez d'équipement de pêche pour que ça soit high-tech. Ils prennent une ballon. Non, mais souvent, c'est ça. Même dans le sud, j'ai vu des bouteilles de Gatorade qui accrochaient après la ligne. Avec Scott Bruce, c'était des bouteilles d'eau. Ouais, c'est ça. C'est utilisé souvent, puis tout. Puis là, c'était des ballons cette fois-là. Là, la technique, c'est spécifique. T'attends. Tu prends la canne. Oui, ça la troll, ça va, c'est pas mal mondial, cette attente-là. Sauf que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il dit que tu prends la canne avant même de faire quoi que ce soit. Tu augmentes le drag, tu rilles, puis après, tu fires. Oui, parce que les autres, c'est des circle hook, des hameçons en cercle qu'ils appellent. C'est, lui, il va avaler la peau complète, il va l'avoir dans le fond de l'estomac. Fait qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu pars avec, il n'y a aucune hameçon qui est piquée nulle part. C'est vraiment un hameçon dans le fond de l'estomac. Fait que là, quand tu vas tendre ta tension, quand tu vas la mettre plus raide, bien là, la ligne va ressortir. Puis lui, normalement, il part en sens contraire de toi. Donc, la ligne, il part sur le côté de la bouche. Fait que quand l'hameçon arrive sur le côté de la bouche, bien là, il va se crocheter. Puis c'est là qu'il va se ferrer. Puis vraiment, quand tu as cette tension-là comme il faut, tu peux ferrer ton poisson pour rentrer l'hameçon. Puis là, c'est malade. Parce que lui, il part pas dans le fond, là. Alors. Il part... À l'horizon. Ouais, il part partout. Hein. Là, il, y a rien à faire. Il part là. C'est, il nous mettait un genre de. On appelait ça un god, là. C'est une affaire de caoutchouc une boule. J'aime ça comment tu fais les gestes. On change de show, Anne-Marie Lozic sort de son corps. On le voit pas au micro, là. Mais... Non, c'est que. Là, à partir de ce moment-là, Mané, tu n'as plus de position. Là. C'est fou, là. C'est fort. C'est un poisson qui. Mais avant d'avoir ce combat-là, c'est que le moment atteint. Là, c'est les premières dorsales qu'on va arriver. Hein. C'est hallucinant parce que, tu sais, on a un. On a tout en tête. Le requin, là, c'est mangeur d'hommes. Non, c'est fou, là. Ouais, puis comme j'ai dit dans le show, là, cette journée-là, c'était nous autres qui étaient son prédateur. Ah oui, oui. Vraiment. Puis on n'est pas un bateau qu'on était à 20 pieds de l'eau, là. On était capable d'y toucher à dorsale. Parce que je me rappelle, un moment donné, comment il s'appelait notre guide? Je me rappelle plus le nom. Attends, il m'avait donné un coup parce que je voulais toucher un mané à dorsale du requin. Il dit ça, là, il dit surtout d'un coup de queue de même, il te casse les os de la face. Mais, et puis ça, ouais, puis c'est qu'il disait. Ah ouais, puis on en a déjà parlé dans le premier épisode quand on a mis l'intro parce que le guide, c'était agressif. C'était, il vous criait après, mais il y avait une raison à ça. C'est quand même dangereux. Il faut faire attention, il faut respecter vraiment les consignes. Puis tantôt, il parlait d'un poisson fort. Je vais donner un exemple. Quand on a pêché une autre fois, on en a pogné des petits requins. Des petits, je dirais, un pied et demi. Ouais, j'en ai pris un dans mes mains. Puis tout de suite, le guide me criait après parce que moi, j'ai tenu à queue puis j'ai mis ma main dans le milieu en me disant, tu sais, je suis correct. Lui, le problème, c'est qu'il il se vire 180 degrés puis tu as bien beau forcer toutes tes forces, tu ne seras pas capable de le retenir. S'il décide qu'il plie sur lui-même, qu'il va te remordre la main en arrière, il est capable. Là. C'est extrêmement fort puis c'est vraiment raide. Fait qu'imagine quand le poisson, il ne fait pas 12 livres, il en fait 300. Je fait dire, que tu as réussi pareil à avoir cette image-là, mais ça aurait pu flipper puis te ramasser le bras direct. Ouais. Il aurait pu le manger en main, hein. Comme le serpent. Hein. Ouais. Mais il y avait une autre bonne idée. Mais il y avait une bonne relation avec le requin. Là. Ben, les animaux, ils l'aiment, c'est quand même. Mais encore là, cette fois-là, c'est Jeff qui a eu le premier. Là, il n'est pas là. On va l'avoir dans un autre épisode. On n'aura pas le choix de revenir parce que c'est des expériences qu'il a vécues. La canne, il tordait des mains. Mais ça, c'est fucké parce que le reel. Puis là, ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir ce show-là encore, épisode 9. Ah, je vais y aller. Je te le conseille. Comment tu avais dit ça dans le premier show? T'es dehors. Le reel, il se vide. Ah, on en a entendu des bruits de reel, mais là, quand t'as un requin au bout de la ligne, c'est pas commun. Le monde se dit pas, hey, pourquoi on n'irait pas filmer un trip? On va pêcher du requin. Non, c'est mais pas pourtant, que c'est accessible. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pourtant, ça devrait être commun. C'est à Cape Cod, c'est 5 heures de Montréal. Ouais. Je veux dire, c'est la même route qu'aller sur le lac Ontario. Puis au niveau des coûts, ça va être à peu près ça la même chose quoi, aussi. Peux-tu nous donner des idées de prix? À quoi ça ressemble, mettons? C'est 1 000 $ pour la journée qu'on a eu pêché avec lui. Pour le boat.
pour le boat au complet, mais c'est 12-14 heures de pêche. Tu sais, le gars, il sort le matin, puis on rentre juste le soir, t'as okay. toute la journée. C'est moins cher que le lac Ontario. Nous autres, on était 5 personnes dans le bateau, puis tout le monde a sorti des requins. Là. Les caméramans en ont pêché, oui, tout le monde. Oui, parce que même Alex, ça a été son premier poisson puis, à vie. L'autre là. NBC qui était avec nous autres aussi, qui n'avait jamais pêché de sa vie, c'est la même affaire. On lui a donné un... Parce qu'il riait de nous autres. T'sais. Quand tu fêtes un requin, il vient « Ah ouais, force-toi, ah ouais, rire encore. » Là, maintenant, c'est prendre la canne, on va rire nous autres aussi. Okay. Donne-moi ta petite caméra de 15 livres, je m'en occupe. C'est comme... Parce que le moment où j'ai sorti mon premier, là, encore le souvenir que j'ai, là, j'étais brûlé. Mais c'est la technique, là. Gars. Quand on voyait Jean-François, il s'est brûlé, il a eu la misère à sortir le sien, mais c'est ses premières grosses expériences de pêche aussi. Puis tu peux pas essayer de juste riler, il faut que tu pompes, tu riles en descendant toujours pour forcer avec ton corps, puis, et non avec tes bras, parce que sinon tu te brûles mais avant quand le quand tu penses que tu l'as, là, il s'en vient, là. Puis là, maintenant, la ligne a des couleurs, là. Puis là, maintenant, ça commence. Et celui-là. Là, ça change de couleur. Non, mais c'est pas ça, les autres, ils se pètent toute notre gueule, là. Faut que tu recommences ta job. Autant que le rire change de couleur, mais toi aussi, tu changes de couleur. Les gars, maintenant, ils me tenaient dans le dos, là. Par le gros du coup. On avait peur de le perdre. On voulait pas baiser. On voulait pas baiser. Le requin, il pèse plus que moi, là. Fait que là, ils me tenaient par en arrière. Là, si Danny, tu pars à l'eau et ils te mordent, ils vont venir sous direct, c'est instantané. Non, pas cette journée-là. Non, mais c'est-tu la. C'est un des lendemains, vous avez pêché le lendemain que vous venez d'arriver, dans le fond. Là. Ça vous rentre dans le corps, puis on va le voir plus tard, maintenant, vos faces, là, vous aviez des faces de gars qui n'étaient plus là partout. Non, mais on a dormi quoi, 3 heures cette nuit? On venait de faire une run quand même, on était rendu à 12 jours de voyage, tu sais, on a fait 16 jours en tout, il restait le lac Ontario après. Mais c'était très exigeant aussi. Là, c'est des combats de combien de temps avec un requin à peu près? 40 minutes, 40-45 minutes okay. par requin ou ouais, à peu près. Puis comme tu dis... Il n'arrête pas. Non, c'est ça. C'est comme tu dis, dès qu'il y a du lousse, tu ne peux pas y donner. Non, tu ne peux pas y donner de lousse. Non, puis à un moment donné, on avait en maudit des requins autour de nous. Ouais. C'est impressionnant parce que moi, je ne m'en attendais pas. Puis là, je suis là, je fais de la GoPro pour filmer le requin à Danny. Puis un requin qui est venu, puis ma GoPro, tu sais, j'ai une perche de 3 pieds. Là, puis un requin qui est venu par en dessous. Sacre un coup de nez sur la GoPro pour sentir. Ah non, ça vire autour du bateau. Moi, je suis à genoux, j'ai la GoPro de main, je regarde son poisson, puis là, ça donne un coup sur ma GoPro parce qu'il y a un autre requin qui vient de passer, puis il est juste venu sniffer pour voir c'était quoi. Ce qui m'a frappé, moi, ben, quand j'ai regardé l'émission, parce que moi, je l'ai vu, j'ai pris le temps. Puis. Qu'est-ce qui m'impressionne, c'est que, tu sais, moi, je me dis, ah, les gars vont en pêche au requin, tu sais, ils vont peut-être en prendre un dans la journée, tu sais. Comme le ton, comme le ton, tout ça dans la tête. Là, tu te dis, Colin, ils vont travailler fort, tu sais, puis. Quand ça décolle, là, puis là, les cannes partent, puis là, même les caméramans en prennent. Tu fais, OK, c'est assez dynamique comme pêche. Nous autres, on en a sorti 8 ce jour-là. Mais aussi, on aurait pu en sortir plus, parce qu'à toutes les fois qu'on en prenait un, on n'avait pas le choix de rentrer toutes les lignes, parce qu'on ne pouvait pas en avoir 2 en même temps avec les caméras. Ça aurait été le chaos total. Tandis que si tu vois là juste des chums, puis que tu as 2 poissons en même temps, ça se fait. Mm-hmm. Mais là, avec une équipe vidéo à filmer, le guide qui nous surveille. Ça courait sur le bateau. Mais il y a une affaire qui était quand même, malgré tout, méthodique. Puis le guide, c'est ça qu'on avait déjà parlé, puis il faut revenir à ça. J'ai pris des extraits, là, mais pendant le combat, le guide, il vous crie après. Genre, il est intense. Quand Jeff a la ligne, à un moment donné, let go! Let go! Puis là, Jeff, il est comme, il donne, mais il attire encore. Let go! Il crie, puis il attire. Puis mais comme... on comprenait pas ce qu'il disait dans l'action. Tu sais, je veux dire, aussi. C'est l'adrénaline, t'es pas. Ouais, là, non, là. Puis ça fait quand même plusieurs années. Là, on se débrouille un petit peu mieux en anglais. Mais c'est rare on que tu pas, te fasses à chaque année. T'es pas super aussi, bon. Là. Puis moi, je l'ai déjà dit quand il disait let go, tu sais, puis qu'il nous disait de la laisser aller, puis tout. Moi, je l'entendais fredonner. Là, je veux dire, j'avais aucune idée de ce qu'il disait. Puis Jeff, c'était la même affaire avec la canne. Il le disait tellement vite. Qu'on n'avait pas le temps d'assimiler, puis on se concentrait pas sur ce qu'il puis disait. Pas rien que ça, tu vas pêcher. On la comprenait pas, la consigne. Toi, tu vas pêcher, tu t'attends à ramener ton fiche, puis tu te fais enlever la canne des mains, puis tu comprends pas pourquoi aussi. Mais c'est parce que lui, il avait peur que tu mettes que Jeff mette le doigt dans la ligne. C'est qu'à un moment donné, on le voit très bien ce qu'il fait. C'est qu'il change sa main de place, puis il met sa main sur le reel, puis là, il a crié 2-3 fois let go, puis à un moment donné, il a arraché en hurlant après, mais son pouce était sur le fil comme un bait de casse. Tu peux le couper. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit si. Il aurait pu perdre son pouce. Il a donné, à un moment donné, là, j'essaie de me rappeler, je pense que Danny, une couple de fois, il t'a donné un outil que quand le requin arrivait, il dit « Tu t'accroches là, tu descends le plus proche pour et tu coupes. » Puis à toutes les fois, il disait « Good job, Danny. Way to go. T'as bien fait ça. » Après ça, ça a été un autre qui l'a fait. Je pense que Jeff a pris la place. Mais il vous ramenait toujours après ça, comme il comprenait que vous saviez pas ce qui se passait. C'est le seul qui m'a félicité durant le voyage. Mais non, quand t'as retrouvé tes lunettes dans le sac de chip au vinaigre, je t'avais dit aussi. Félicitations. Good job. Mais est-ce que vous trollez pour le requin? Non, c'est à drift. Dans le fond, tu laisses une ligne là avec un appât, puis tu te laisses dériver. Puis le bateau, il s'en va. Ouais, vraiment tranquillement.
tranquillement. Okay. Puis, mais vous étiez proche d'un pont tout le temps, puis il n'y a pas un moment donné où ce qu'il vous disait qu'il faut non. pas... Non, non, là tu mélanges avec la Floride, là, proche d'un pont. Ah, peut-être. D'un pont. On était au large, plus au large de Parce qu'il y en a une, séquence comme ça, comme ouais, ça, ouais, ouais, moi c'est en Floride. J'ai écouté les émissions, puis j'en ai écouté beaucoup. Bon, mais là t'es mélange. Ouais, c'est ça. Tu ne sais pas de quoi ils ont écouté. Puis il y avait un pont, puis il fallait pas que les lignes allaient là-bas. Fait que... Ouais, mais ça n'a pas rapport. Ouais, je sais. Arrête avec ton pont! Puis Nico, t'étais pas là. On le sait, le trip, mais t'as eu la chance de le voir avec les yeux que tout le monde ouais. le voyait de téléspectateurs. Pas tout le monde. Il s'en recale, il aime ça. Mais comment tu t'es senti en voyant ça? Parce que... Ben honnêtement, ça m'a tellement donné le goût de prendre un requin à moi, puis tu sais, plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir pêcher le requin, puis d'en prendre un, puis ça l'a tellement amplifié mon sentiment. Mais tu sais, dans tout ça, il y a juste du bonheur, tu sais, on en reparle aujourd'hui, puis tu sais, il n'y a jamais eu de jalousie ou d'envie d'y aller. Oui, c'est sûr qu'à maintenant, en Nouvelle-Orléans, je me suis dit, hey, un jour, j'y retournerai, peu importe quoi. Mais tu sais, de voir aussi l'accomplissement, puis de où qu'on en était rendu, j'en étais juste fier. Mais oui. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des envies incroyables là, de partager ça avec les gars, parce qu'encore aujourd'hui, ils en parlent, mais tu sais, c'est des moments que même si j'ai pas là, je les ai vécus, j'en ris encore, tu sais, il en parle, ça fait partie de l'essence même de Roadfish, tu sais. Ce voyage-là, ne serait-ce que j'étais là ou pas, a vraiment mis un peu la table, tu sais, avec la première épisode du Costa Rica, là, qu'on est arrivé, tu sais, Roadfish, c'est ça. Ouais. C'est un trip de chum, c'est ça. Mais je pense que ce voyage-là a mis la table un petit peu pour tout ce qui allait revenir après. Puis ça a juste bien fait pour tout le monde. C'est le fun, t'sais. Pareil, parce qu'il y aurait pu... Il y a une envie, mais qui n'est pas malsaine. C'est pas mesquin ou quoi que ce soit. C'est vraiment non. comme wow. Ouais, mais Nico, durant ce voyage-là, il m'a appris comment écrire Roadfish. Il taguait tout croche, les Roadfish 2, Asport 2. R-O-D-D, Roadfish. Un peu comme quand tu as voulu appeler ça le Rod Podfish. Le Podfish. Le Rod Podfish. Il y a Rod Podfish, ça aurait été hot aussi. Puis là, on a parlé tantôt, il fallait faire attention. À la queue, j'ai de la misère à dire ça, faire attention à la queue, je me sens comme pas à la bonne place. Tu parles tout de faire attention? Non, moi je fais pas attention à ça, j'ai pas ça sur le bord du visage trop souvent. Le guide, il disait souvent, oui. Parce que le requin s'enroule, puis même maintenant on le voit le fil, le requin s'enroule, puis là il vous crie après, tassez-vous de là. Combien de fois qu'on a vu, puis ça c'est cool parce qu'on voit d'un autre angle, Alex, il pousse, puis là, il faut qu'Alex se tasse. Toi, tu t'enlèves. Il tassait tout le monde, mais il était sur un qui-vive. Ah, il était intense. Ouais. Il s'occupait de la sécurité, vraiment. Sécurité. Il était oui, c'est vraiment bon. Mais quand tu regardes ça, t'es comme, aïe, aïe, c'est intense, là. Parce qu'il tassait le caméra, le caméra. Puis là, il vous l'a dit, la queue du requin peut, c'est un splash. Puis vous n'étiez pas à une hauteur, comme tu disais. Non, non, une vingtaine de pouces, même pas. Puis quand on empoignait un, là, si t'avais vu, toi, la vie qui se passait sur le bateau, c'était fou. Ça courait partout, là. Tu sais, les caméramans essayaient de se placer, montaient sur le top. Va-t'en sur le bout du bateau, puis là, Mané, tu traverses les... Ah non, c'était... Mais partout qu'on a voyagé dans le monde à date, là, tu sais, les guides, là, ça a toujours été « security first ». En premier lieu, ils pensent toujours à sécurité. Puis j'aime aussi bien un guide qui va brasser le monde, qui va aller te tasser, qui va te faire perdre une image, qui te met en punition. Mais que Colin, tu le sais que s'il arrive de quoi, il va être en sécurité, qui sait qu'est-ce qu'il fait, t'sais, puis qui va prévenir les accidents. Ben oui. Quand tu travailles en amont, c'est vraiment plus facile que travailler par après. T'sais. Ah, ben c'est parce que quand t'es en haute mer, là, s'il arrive de quoi, t'as pas quelqu'un qui va venir te chercher dans 10 minutes. Là. Non, non. Fait que... Surtout à travers les requins. Les requins. Même si ça a l'air que c'est aucunement dangereux. Mais tu vas trouver le temps long. Moi, je vous dis, depuis avec l'affaire de la punition, je rêve un jour d'aller à la pêche avec toi, de t'enlever une canne à pêche, de te regarder debout sans rien dire. Elle pousse dans la bouche, puis il boude. Mais je vois encore le chemin du retour, même dans la soirée. Là. Quand je pensais que t'allais dire, tu vois encore ma canne cassée. Non, non, non. Mais quand on est arrivé sur ce voyage de pêche-là, là, on était sur un high. Là, on venait de vivre de quoi? Là. C'était solide. Là. T'sais, on avait fait le bar rayé avant, on avait fait... Mais ça te fait-tu oublier le bar rayé d'avoir été après ça, d'avoir été joué à Rambo avec les arcs? Oui. Mais là, après ça, tu t'en vas faire du requin. Mais là, c'est un autre. Tout a été très, très, très plaisant, intense. Est-ce que tu as vécu? Non. S'ajouter. Non, j'imagine l'expérience. C'est que ça monte à une couche. Là, après ça, tu t'en vas dans un petit lac ensemencé, puis essayer de la truite à une demi-livre. Mais le road trip en soi, par exemple, c'est incroyable. Toute la gang, les chums ensemble, à motoriser, à se promener partout, puis. Nous avons même conduit, on a fait au-dessus de 7000 kilomètres. On a même à faire 7000 kilos, c'était le fun, la route, on tripait. Il y en a fait qui étaient surprenants, on était quand même 17 jours, 5 gars d'un campeur, il n'y a jamais eu un gaz.
Tout des silencieux dans le pouf du banc. Tout dans ma chambre au fond. Y a-tu eu des bris mécaniques, des problèmes avec le campeur? Non, jamais en fait. Campeur, on a roulé 50 000 km avec ça, puis j'ai aucun bris, j'ai rien juste là-dessus. Des flats, puis c'était pas qu'il faisait. Ouais, des flats, oui. Sinon des tiroirs, des affaires de même, mais pas de mécanique. Ouais, on a cassé aussi la cafetière. Il était super bien entretenu chez Roulotte MLR, fait qu'il n'y a jamais eu de problème. Quand on sur l'autoroute, je me rappelle, là, sur l'autoroute, on chauffait Moby Dan, puis se passait le volant, là, on n'arrêtait pas. Là. Arrête de piocher. Dan, le deuxième requin, c'est toi qui l'as sorti. Tout seul. Tout seul comme un grand. Comme un grand. Une main. Oui. J'ai pas tendance à passer mes poissons. Hey, puis ça, je suis pas d'accord avec toi. Parce que dès que tu amènes du monde à la pêche qui n'ont jamais été pêchés. Le donner. Mais tu donnes. Ouais, tu le donner, OK. Dedans, mais dire, mettons, je suis fatigué, tu veux-tu prendre un bout. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas ma tendance. Puis pas rien que ça. Hein, quand il est arrivé des moments avec Nico aussi, qui dit t'es-tu fatigué, veux-tu que je prenne? Non, c'est mon poisson, ouais. Je le sors tout seul. Puis... Ouais. Non. Si je te le donne, c'est jusqu'à la fin. Ouais. Tu le donnes pas pour un bout. Ouais, si tu te le donnes, c'est le tien. Sinon, c'est rien. Je t'en ai donné une fois au Mexique, mais à part ah, je ça, prête là, pas mes jouets, mais c'est pour ça. Mais ça, le requin bleu, c'est-tu un genre de requin bulldog ou c'est plus gros que ça? Ben, c'est différent, c'est bleu. C'est... L'autre est brun. Aïe. Non, mais c'est pas le même genre de requin du tout. Là. En Floride, on en a pris des requins bulldog. Puis le requin bulldog, je sais pas si le requin bleu fait ça aussi, mais tu sais, dans les dessins animés, t'as déjà vu des requins, mettons, ils courent après quelqu'un, puis à un moment donné, cling, sort les dents d'un coup sec, ben c'est vraiment ça. Hein. Ils rentrent, puis, ça rentre dans les gencives, il n'y a pas de dents de sortie, puis quand c'est fâché, toutes les dents sortent, puis c'est connu c'était quelqu'un spécial. Comme ça. Mais non, c'est vraiment deux requins différents, mais on aurait pu en prendre des bulldogs aussi, mais là, on a tombé sur des requins bleus. Okay. Il y a quand même plusieurs sortes de requins qu'on aurait pu avoir. Là, dans notre il y avait aussi, tu sais, parce qu'on attendait la remarque quand on a vu le film, là, on disait, ah, vous lâchez, il y a des hameçons dans la gueule, mais je pense que les hameçons aussi, après quelques semaines, ouais, ça va vite. Comme avec certaines espèces ici qui expliquaient, c'est que tu le coupais le plus proche pour que ça le dérange, mais le corps produit un acide qui mais fait que ça va le réaliser. Au saumon. Exactement. Quand tu pêches le saumon, tu es toujours mieux de couper la ligne que d'essayer d'y arracher. Hein. Ben oui. L'hameçon, fait que la plupart du temps, on va juste couper, on laisse puis ça là. Il va sortir tout seul. Ça, c'était la saison 1. Là, il reste encore un épisode qu'on va parler après ça, mais bottom line, de partir une saison comme ça, le Costa Rica, tout ce qu'on a vécu, puis là, vous repartez avec un trip de boys de même. Je pense que ce que moi, j'ai le plus apprécié vraiment de ça, c'est de voir du monde normal. Bon, pas tout le temps, là, mais de voir des gars normaux. Il parle normales, pas de toi, Danny. Que vous ayez amené des gars qui n'avaient jamais vraiment pêché comme Jeff, qu'on va voir un peu dans un autre épisode, mais que vous avez amené c'était du monde normal, avec la maladresse, pas méchamment, mais vous appreniez à chaque fois, vous faisiez expliquer partout où vous allez ce qui se passait, puis là, tu laissais, puis c'était pas facile dans certains cas, mais ça, j'ai trouvé ça le coup parce que c'était vraiment du monde. Comme si on prenait cinq gars, nowhere, qui ont peut-être des fois un peu pêché, mais pas pêché. Puis c'était ça qu'on voyait, c'est la vie. C'était ça pareil, c'était cinq gars nowhere qui, qui apprenaient à pêcher puis qui vivaient des expériences. Tu sais, je veux dire, beaucoup de plaisir, c'est le plaisir. C'est ça, c'est le but, ouais. C'est d'en aller pêcher. Mais il y a des moments qui se sont créés que ça n'aurait pas été pareil si tu n'avais pas amené des gens qui n'ont jamais pêché. C'est sûr. Ça crée une ambiance complètement. Ouais, mais je pense que Roadfish ne serait pas ce qu'est Roadfish si c'était non, tout exact, le monde qui savait pêcher. C'était pas la proximité avec la communauté, exact. Le contact avec les gens. Les gens, comme on en parlait, hey, salut Dan, tu sais, quand ça l'appelle ou ça crée des cris, ah, on se connaît, mais non, mais, tu sais, c'est cette proximité-là qu'on veut, puis l'accessibilité. Puis on en parle encore. Moi, je reste dans le quartier chez nous, puis le monde m'arrête, les enfants, hey, on écoute ton show. L'autre fois, j'ai donné un genre de foulard à un jeune, hey, à tous les matins, il me le montre à l'arrêt d'autobus, puis il est content. Mais tu fais souvent ça, genre, tiens, le kid veut un autographe, veut un foulard. Ouais, mais il me le demande même pas, c'est qui, lui? Il pitche des foulards, ses enfants. J'ai pas encore signé de boule, par exemple. Tu l'as signé bien, je l'ai vécu une fois, encore. Dans une cour de supermarché. T'as signé des boules? Non. C'est que il y avait un jeune couple d'un auto, puis je vois qu'il parle, puis il me regarde, mais j'étais dans mon auto, je sors, puis je rentre chez mon client, puis. Mané, le gars, il ouvre la porte, il dit « Hey, dis, ton nom, c'est-tu Danny? » « Oui. » « Tu fais-tu des films Roadfish? » « Oui. » « Je te l'avais dit, c'était lui. Hein. » C'est spécial, pareil, parce qu'à quelque part... Je pensais que la femme. OK, t'as pas signé des boules, t'as signé des boules. Mais pour vrai, c'est spécial. Écoute pas ça, OK? Écoute-le pas, c'est pas vrai. C'est de l'humour, c'est un podcast. Ouais, mais c'est ça qui est le cool, c'est que même pour le monde que vous amenez...
vous avez des amis que vous avez amenés plusieurs fois, ils doivent se faire reconnaître. Ils veulent pas, hey, on t'a vu à TV mais faire ouais. ça. Puis tu sais, tu cherches pas ça, là. Tu fais non. juste triper. Mais moi, ça, oui, des fois, ça m'est arrivé avec ma blonde, les deux enfants aussi, parce qu'on a fait des émissions justement tout ensemble. En famille, ouais. Puis un moment donné, on était au magasinet de la vaisselle, aucun rapport. Puis il y avait quelqu'un qui nous avait dit, hey, c'est vous autres la famille hein, qui pêchez. Vous êtes la tout. Famille de pêcheurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'était cool. Là. Même les enfants, tout ça, ils aimaient ça aussi. Puis... Ouais, puis ben, moi, ce que je trouve le fun aussi, c'est autant, oui, les enfants à Daniel, mais les enfants à Daniel ont amené des amis. Ils ont amené d'autres personnes. On a amené des amis qui ont amené leurs enfants. Tu sais, puis de fil en aiguille, ben, tu sais, ça fait profiter tout le monde. Mm-hmm. Tu sais, ça rayonne. Roadfish, ça rayonne mais, sur beaucoup de gens. Mais t'sais. La plupart des gens sont gênés de venir nous parler, par exemple. Je dirais, là, tu sais, souvent, tu vois un petit regard, puis là, tu regardes sais, aussi, puis tu c'est furtif. Sais, pis, ouais, tu sais que pourtant, il n'y a tellement pas de raison. Puis nous autres, à tous les jours, on aime ça, parler de pêche, puis voir mais vos poissons, puis d'avoir des moi, commentaires. Moi, je me suis dit t'avoir vu d'un salon, un moment donné, puis j'étais comme, Chris, je vais-tu dire allô ou pas? J'étais comme... Allô, non. On dit juste salut. Mais nous autres, là, mais allô, nous autres c'est l'inverse. Bizarre, c'est tellement le fun, ça, avoir le monde qui vient nous parler, puis qui, tu sais, qui nous interroge, qui parle ou peu importe. Ah ouais, mais c'est gênant quand même. Tu sais, vous êtes à TV, vous êtes, on... Je sais pas. Ouais, mais non, mais empêchez-vous pas vraiment pas. Puis à la base, ça nous fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, il y a des gens, là, tu sais, des fois qui viennent. Ah, mais regarde, moi, j'ai juste pris ça. Tu sais, il y en a pas de j'ai juste non, pris ça. Ben non, t'as pris ça. Waouh, c'est bien trippant. Où t'étais où? T'étais avec qui? Tu sais, mais. Ils s'attendent pas à ce que vous vous impliquiez de même, mais c'est ça pareil. On s'intéresse à ça, tu sais. Tu n'as pas le choix de donner. T'as pas le choix de donner ce temps-là parce que ça, ça a un impact sur le fait de... Oublie l'impact sur votre image, ça a un impact sur l'intérêt de la pêche de cette personne-là. Puis exactement. Vous aimez tellement donner à ce monde-là, puis surtout les tout-petits qui la vous voient. Oui. C'est exactement ça. Le fait de lui dire « Hey, beau poisson, je suis fier de toi! » Moi, j'avais rencontré quelqu'un dans un salon qui m'avait dit « Ah, tu sais, moi, je viens pas d'ici, j'ai pas beaucoup d'amis. Je trouvais ça difficile, tu sais, de rencontrer des gens, puis comment... tu fais pour rencontrer des amis ou rentrer en contact avec des personnes. Puis ils ont amené, j'avais tombé sur votre émission. Puis là, j'avais commencé à écouter ça. Puis j'avais dit, hey, waouh, la pêche, je pourrais-tu pêcher? Puis là, il avait été sur des forums. Puis là, les gens, hey, où que je peux pêcher à Montréal, sur le hacké? Puis comment ça fonctionne les gens? Hey, viens là, moi, je vais aller là tel jour, de tout ça. Puis il dit, à partir de là, vous avez changé ma vie. Il dit, je suis rendu avec des amis, des soupers le soir. J'ai rencontré, j'ai une communauté c'est vrai, moi, ça, en c'est de Tinder, moi. Ça, Nico. Tu sais, j'avais trouvé ça. Tu sais, je m'étais dit, waouh, mission accomplie. Ne serait-ce que d'avoir changé juste mais, une personne. Moi, ouais, un message que j'avais eu un moment donné, c'était un monsieur qui m'avait réécrit. Puis qui m'avait dit, quand j'ai écouté vos émissions, ça m'a donné le goût de repêcher parce que je pêchais jeune avec mon père. Son père était décédé assez jeune. Puis là, il avait pris la peine de se rééquiper puis de leur pêcher avec ses enfants. Puis j'avais. C'est la job, là. J'avais vraiment trouvé ça. Ouais. Ça me surprendrait pas que ce soit lui. Ah ouais, mais quelqu'un m'avait écrit sa page puis m'avait parlé de ça. Puis j'étais comme, waouh, wow, ça m'avait vraiment touché qu'il me dise ça, que ça avait donné le goût justement de. D'aller pêcher avec ses enfants. Parce qu'on a un job comme ça que lui, là, quand son père est décédé, il allait toujours à la truite à l'ouverture avec des grands bottes dans l'eau. Puis il a tout serré. Il a tout en... il voulait plus quand rien son père savoir. Est mort, il a tout arrêté. Il voulait plus rien. Puis là, nous autres, aujourd'hui, ben, il veut venir avec nous autres. Il nous a dit qu'il recommençait. Puis on mais c'est hot. Mais oui, c'est juste vrai. Pour ça. Ça te ramène des souvenirs. Puis j'ai dit la seule chose, puis c'est ça qu'il m'avait dit, tu sais, tu t'en vas dans l'eau au spot où tu allais avec ton père, puis tu regardes, ça n'a pas changé. Ton père, il était avec toi. Mais ouais. Il est là. Tu l'as amené. Avec c'est, toi. C'est des de moments façon, comme ça, tu d'émotion. Vas aller là, tu vas être apaisé. Tu quand vas, il va, tu vas être bien. Puis... C'est sûr qu'il est avec. Puis tantôt, tu parlais de la grosseur des poissons puis tout. Hier, c'est drôle parce qu'on écoute les shows en avance pour les approuver aussi. Puis pardon? Là, la saison 5 s'en vient. Puis j'ai écouté le show qu'on a fait l'année passée à l'Auberge de la Barrière. C'est, d'après moi, le show qui va être le plus émotif qui va toucher le plus de toute la saison. Pourtant, il y en a plein d'autres qui ne sont pas montés. Puis on pêche la truette, c'est pas du requin. Mais je vous le dis, tu sais, la qualité ça, de pêche... Ça, c'est la saison 4 de laquelle tu parles. Ça va être la 5. Oh, OK. La prochaine saison qui va passer juste en septembre. Malheureusement, tu ne pourras pas l'écouter tout de suite non plus. Puis Joe, de toute façon, ne l'écoutera jamais. Je l'écouterai jamais. Mais je vous le dis, on pourrait pas mettre une espèce Joe, de toutou en plus. On avait des jeunes, des amis qui étaient là avec leurs petits-enfants qui n'ont jamais pêché. Puis tout, tu sais, l'émotion, ça transparaît. Quand tu vois un sourire d'enfant comme ça, c'est. Là, tu redonnes l'émotion à du monde. Ah, c'est. Ouais. Mais c'est la barrière, c'est une belle place pour ça. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, mais une place accessible, facile d'accès, familiale, bien organisée, qualité de pêche. À quel coin, ça? Tu sais, là, Saint-Zénon, ou dans ces coins-là, là, je pense, c'est-tu la Vérandrie, ça, ou c'est-tu ça, en tout cas? Mais c'est pas loin, Saint-Zénon, non, là, c'est quoi? C'est deux heures, Montréal, là-bas. Ouais, c'est ça. C'est deux heures, deux heures et demie, gros mal de Montréal. Les gens, ils mettent du non, temps. Non, c'est pas tant que ça. Moins que ça, je pense, c'est 45 minutes. Pas 45 minutes. Non, t'es à Saint-Michel-des-Saints, t'as une heure et demie, c'est sûr, deux heures à faire. Dépendant de quand tu rentres dans ZEC après ça. Mais c'est pas loin, tu sais, il y en a plein de pourvoirines dans ce coin-là, mais c'est vrai que familial. Saint-Zénon, il y en a tout plein dans ces coins-là. Exactement.
Puis, tu sais, même avant, moi, au début, quand j'ai commencé à pêcher, ah, les pourvoiries un peu moins, ou tu sais, il y a un certain standing de type de pêcheur. Ah, mais quand tu vas là, tu ressors de là, là, puis tu sors, t'es émerveillé, les enfants, tout le monde. On a vraiment eu des belles expériences. C'est toujours une belle place, ouais. Puis là, ben après ça, vous êtes parti pour revenir chez vous, puis encore une improvisation incœurante qui vous a fait faire du chemin à l'envers pour revenir. Vous avez été appelé pour aller au Doré et à la Truite. Je pense que c'était Amigos. Oui, Amigos Charter. C'était Picton, quelque chose comme ça, il me semble. Je ne vois plus trop la région. Là. Bref, c'était zéro prévu, ça. Là. Puis vous étiez fatigué. Ah, oh, on était toasté. Quand on arrivait à la fin. Hein. Mais moi, c'est sûr que quand j'ai vu le show, on a fait une super belle pêche, c'était débile. Là. Danny a pogné un doré de 12 livres, je me rappelle. 13 livres. C'était malade, ça. C'est en dernier. Là. Mais on était fatigué, par contre. T'sais, je vais vous le dire. Moi quand j'ai resté... Mais c'était vraiment pas prévu, ça. C'était en chemin que ça s'est décidé. Non, puis je trouvais que, par exemple, mon rendu dans le show, je trouvais qu'après, je réécoutais, puis j'étais comme... Genre... Pas que j'aurais pu me forcer plus, mais je trouvais que j'en manquais un peu, mais justement, peut-être qu'on en avait trop fait. Mais ça, c'est des genres d'affaires que vous, puis toi, en tant que gars qui produit un show, tu vois, mais le monde ne voit pas ça. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est les moments avant de vous rendre, l'année où vous étiez. Vous étiez fatigué, ça paraissait. Hey, Colin, ça paraissait. Mais là, vous êtes allé faire. Hey, on a fait une pêche de débile. Il y avait une pêche la première journée, c'était au Malachigan. Puis c'est bizarre parce que. C'est pas une espèce que tu te dis, hey, on book-tu un guide pour aller pêcher le Malachigan? Au Merlin Park, ça, ouais. Tu sais, c'est rare que tu te dis, on se book-tu un guide pour aller au Malachigan? Vous n'avez sorti du stock là, là-bas, là. Puis vous êtes même retourné après ça tout seul après votre journée de pêche. Vous dites, on y retourne-tu juste nous autres dans un spot qu'il nous a montré? Vous sortiez des spécimens, c'était écœurant, là. Ah, ouais. Mais pourtant, le Malachigan, c'est vraiment le fun à pêcher. Puis, c'est débile comme poisson. Tu n'entends jamais quelqu'un personne, dire, jamais. C'est des poissons de 12-15 livres, puis à petite jig dans le fond de l'eau. Puis en bonne quantité aussi. C'est justement, quand tu prends des bons fêtes, là. Le doré, c'était-tu à la troll ou à la jig? À la traîne. Ouais, okay. Pas de deux, tout avec des petits poissons nageurs, des petits yuzuri, des choses comme ça. C'est vraiment à la traîne. Parce que c'est rare aussi ça qu'on voit ça, mais vous sortez des. Je pense que tu avais sorti un 8 livres et quart, puis effectivement, Daniel a sorti son record 13 livres. Mais Picton, justement. On criait comme des malades. Dans le show, le monde qui a écouté le show, il dit c'était donc bien livré, vous criez donc bien. C'était fou. Là. C'était à la fin aussi. On arrête le show, t'es fini là. C'est pas mal à la fin, ça, le temps. Oui, oui, oui. Le cadran le matin était tough. Oui. Excusez, quand ça sonnait le matin, on était fatigué en tabarouette. On a la misère. Un peu plus de misère à se réveiller le matin. Sûr, avec toute la route, puis t'as ça dans le corps. Là. Mais je te dis qu'une fois que t'es sous l'eau là-bas, là, la pêche au doré, puis tout, là, c'est incroyable. Là. Oui, puis on a eu des belles journées, il ventait pas, le soleil, c'était beau. Cool. Je pense que la chose qui m'a le plus retenu de ça, on revient à Danny, parce qu'après ça, s'il y a des gens qui ont des choses à rajouter, parce que ça va clore ce podcast-là, à mon avis, à moi. T'as fait un speech rempli d'émotions, t'étais rempli de gratitude. Ils t'ont laissé le mot de la fin, puis ce que t'as dit, puis écoute, Il a même dansé. Ouais. Ah ouais, ça, c'était avant ou après le générique, normalement, il me semble des bloopers à la fin, une petite shot. Regarde-moi pas, dame. C'est fait un gros colu collectif, là, c'est une grosse dose d'amour, c'est le fun. Mais ton speech démontrait toute la reconnaissance, la gratitude que t'avais eue pour les boys de t'avoir amené. Ben oui, j'y pense encore, puis je le vis, le moment encore. Puis encore une fois, bravo, parce que les émotions que vous faites vivre, on les ressent dans les shows, je vous le dis. Allez les écouter, les shows. C'est vraiment bon. Écouter les shows. Ouais. Mais c'est important de faire un petit récap sur qu'est-ce qui s'est passé puis de laisser la parole. Tu sais, on fait souvent ça dans nos émissions. On parle un peu de tout le monde. C'est drôle parce qu'on a souvent justement soit des personnes qui n'ont pas beaucoup pêché ou que même nous aussi. Mm-hmm. Tu sais, c'est des expériences complètement différentes. Puis justement, de remettre les émotions sur la table comme ça, de remettre un voyage comme ça, tu sais, ça te refait faire tout le topo comme aujourd'hui. Sûrement, Danny, tu as la même impression d'avoir revécu un peu le voyage. Oui, d'avoir quand on en parle, ça me donne le goût de les réécouter. Ouais, ça, c'est des beaux souvenirs. Ça, tu en avais parlé au deuxième show de. Oui, mais j'ai regardé justement d'autres ça affaires. Ça t'a donné envie de revenir. Comme là, en plus, j'ai plein de souvenirs avec des enfants, avec mes enfants. Comme là, il faut que tu le vois à la shot où ce qui garoche violemment la canne. La canne à la voir aussi. Du bonhomme, là, où ce qui fait juste la lâcher comme si c'était une merde. À John m'excuser. Je veux même pas que tu y écrives. Les boys, avez-vous quelque chose à dire sur ce qu'on vient de jaser de l'épisode 7 à 10? Non, mais à part qu'on parle souvent d'accessibilité, puis je sais qu'on veut pas parler de trop monétaire avec quoi, mais ça n'a pas été un voyage qui nous a coûté très, très cher non plus. Là. Je veux dire, on était quand même 5 gars.
avec le motorisé et tout ça, puis ça avait coûté en bas de 8 000. Ça semble beaucoup, mais tu sais, c'est 16 jours en aventure dans le sud. Ouais. Qu'est-ce qui nous a coûté cher dans ce voyage-là? C'est les guides, tu sais, 1 000 à Cape Cod, 700 par soir à l'autre place. Tu sais, c'est un petit peu toutes ces dépenses-là. Mais quand tu comptes à Saint-Gars, tu sais, tu mets 1500 pieds à chaque, puis tu fais un nasty trip, excusez-moi le sac, là, mais... Mais on n'a pas le droit, mais toi, on s'en rappelle, tu sais, on va s'en rappeler toute notre vie de ce voyage-là, oui, c'était incroyable, vraiment. Ah, je le compte encore à des amis, ça fait 4 ans, là, tu sais, je compte le voyage autant à l'arc que le requin que le barré. Tu as la chance de pouvoir les avoir, ces épisodes-là, c'est immortel. Oui, parce que, tu sais, il m'en parle, puis je lui compte, là, puis là, il voit l'émotion en même temps, puis je lui dis des choses qu'il ne voit pas aussi. C'est tout ça dans le même voyage, review qu'il m'avait demandé là, à la fin, là, justement, en Ontario, là, c'est que j'avais pas un voyage de 3 jours à compter. Là, il fallait, c'est 16 jours. Là, j'essayais de me... Mais l'émotion, tu l'avais ici. Je te dis, j'en parle, c'est rare que tu regardes, tu peux te vanter d'écouter une émission de pêche. Puis je pense qu'on va être obligé d'en parler souvent de ça parce que vous avez fait vivre des émotions à du monde à un point tel où c'est que quand tu te mets à focusser sur qu'est-ce que le monde vive, puis ça vient te donner des frissons. Puis tu te dis, On voit que t'as de l'air triste. Ah, moi, j'ai hâte de vivre c'est ça. Émotif. Moi. Merci. Parce que c'est ce que vous faites transparaître. C'est rare qu'une émission de pêche, tu fais comme aïe, aïe, c'est écœurant. Regarde l'émotion qu'il y a là, puis vous focussez là-dessus. Puis il y en a des émissions de pêche, là. Oui. Parce qu'il n'y en a pas. Mais comme on a juste exploité un créneau différent. Mais comme gros de fiche, là. Ouais, c'est exactement. Tu sais, je les écoute les autres émissions de pêche, mais. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. C'est vraiment pas le même genre d'émission. Non, tout à fait. Puis je suis chanceux d'avoir fait partie de ces voyages-là. Good. Yes. Les boys, ça close le show. Yes, on va se revoir. On va se revoir pour un prochain épisode. On va commencer à tomber dans la saison 2, épisode 1 à 6. Et je crois qu'on reçoit Jeff. On n'aura pas le choix de faire quelques petits flashbacks. Ça risque d'être drôle parce qu'il était là dans votre trip. Ouais. C'est sûr qu'il va vouloir en parler. Encore une fois, je veux juste vous dire un gros merci de votre confiance pour avoir animé ça. Merci à tout le monde qui nous suit. La réponse est vraiment cool. Ouais, vraiment. Tout le monde like. Ouais. C'est vraiment, vraiment le fun. Merci d'offrir un podcast visuel. C'est drôle que t'en parles parce qu'au début, on savait pas à quoi s'attendre quand on a commencé ça. Y a-tu du monde qui va l'écouter? Ça oui, parce que c'est vraiment sur vos shows. Juste chômer la mère à Dan. À générer 1000 views à elle tout seul. Ma mère, on fait un podcast, un pas de quoi? Un podcast. Ben moi, la matinée, je ne savais pas qu'on attende. Là, quand je t'ai demandé tantôt, il se passe quoi dans le podcast? Ben... T'aurais dû dire à ta mère. Non, mais il m'a répondu, t'as pas écouté le premier? Ah, toi, c'est pour ça que j'ai mais justement, les invités, je lui dis, ils me disent tout, faut que je me prépare comment, faut que je fasse. Non, faut pas que tu te prépares. Ouais, faut aussi, faut se faire bombarder puis se faire surprendre. Ouais. C'est ça qui est hot. Ben, c'est pour ça, honnêtement, je les ai écoutés, les épisodes. Ouais, c'est vrai, ça fait tellement longtemps. Tu sais, moi, j'écoutais la saison 1, probablement quand elle est sortie, la saison 1. Mais ça fait longtemps, puis lui, il les a toutes réécoutées, puis moi, je voulais pas les écouter justement pour arriver ici puis poser des questions. Niaiseuse. mais pour rien, merci. Lui, il les a écoutés et il arrête pas de dire à Cape Cod à côté du pont. Ah, c'est ça. Il n'y a pas de pont à Cape Cod. Il les a écoutés et tout est tout croche. Ouais, je n'écoutais un paquet en ligne, mais que c'est sûr. Il les a écoutés avec un autre œil. Tantôt, je me demandais quel œil. Moi, j'ai juste dans ma tête ce que tu viens de dire sur ta mère. Hein, pas de quoi. T'as pas de casque. J'ai déjà dit de ne pas mettre de podcast. Fait que, gang. Mets ton casque. C'est ça. Gang, on se revoit pour. L'autre épisode, un gros merci à la Voix Maltée. Tout le temps encore là. Encore une fois. Cheers. Puis on se revoit. Épisode. On la cale. Ouais, épisode avec saison 2, puis on va voir Jeff. Un gros merci, gang. Yes, merci. Merci à tout le monde.